Oh,
C'est la vie, c'est la vie.
Oh,
C'est pas gain voix. Ok, maintenant gain voix. Merci, Dani Galio. Merci, merci. C'est bon là maintenant. Voix bon là, pas vrai? Ah, oh, on fait l'autre, ouais. Ok, nous tournons. Ok, d'accord. Ok, c'est bon là maintenant. C'est bon. Je vais ranger les caméras et puis bien. Il y a plusieurs caméras. Il y a mon qui dit, il n'y a pas trop bien. Ouais. Ok, c'est bon là. Ok. Oh, ok, famille mieux. Hein, ok, non, on aime bien, pas de problème. Pour moi, qui parle, on aime sur Facebook, yo. Mais figuez, ok? Mon gars, l'écrase, ma coûte trop chaud. C'est bien, moi, ça. Ok, donc, si on dit que je n'ai pas l'Esprit Christ, automatiquement, on fait que c'est. Si on dit que je passé, c'est même moi, c'est même, comme d'a dit, mon dieu, vexation dans mon créole là. Alors, vous revexez encore. Parce qu'on n'a pas qu'à oser pour dire m'bagel passé. Parce que si on dit m'passé, c'est dire ou dit m'bagel cet esprit de même pas porter Christ. Alors si on dit m'passé ou dit m'pas porter Christ, ça nous vexe. Parce que automatiquement, si m'pas porter l'esprit Christ, c'est qu'il m'pourtant l'autre esprit. Donc là, m'obliger des problèmes dans ce sens ça, parce qu'on manque des dégâts. C'est même bagay là. Les gens sont zombies ou bien morts ou bien moun mouri. Nous comprenons bien le thème. Non. Même là, nous faisons semblant de ne pas comprendre. Ça veut dire que ou pas gué l'Esprit Christ. Parce que la façon où moun a parlé, où moun sa même Bible, il va me toucher la Bible même. Moun sa pas me long verset. Et des fois, moun y a des fois, comme dans des rencontres avec un série protestant, m'a discuté avec eux. J'ai discuté avec eux, ils n'ont pas même comme ça. Même les troubles de ça, ils ont dit. Et puis, m'a regardé. Elle fait pitié. Parce que la défense de bagaille qu'elle ne connaît pas, d'ailleurs, elle-même, elle va même comme ça, elle veut faire me comprendre qu'elle connaît un bagaille, elle veut montrer que c'est moi qui ai la démagogie. Pendant ce temps, le Bible, avec la Bible, il y a clairement capable de vous dire, moi, c'est vite, d'après le tête, moi, je mets tes vêtements bleus, la Bible dit c'est rouge, oui. Et puis, m'a regardé, moi, c'est vrai, il dit bleu, et puis, il dit rouge, il met ton bleu, il me dit, c'est vite, bon Dieu, ben oui, je me fais erreur, je m'arrange ça. Et puis, sans problème. Mais il y a des gens qui tellement pas gagné l'Esprit Christ, qui tellement zombie, même les loués bagaille devant Dieu, même les connaît ses vérités ou abdil, même les loués ses saliés, la continue faire gel cherche, la continue encore dégâts. Et dans les protestants, c'est dépressé. Des bagailles protestants, des réactions en face vérité. Soit les sultos ou bien bateau. On passe tout ça. Ou bien calotte. Toute qualité bagaille net. Dernièrement, il y a un vieux pasteur qui mette ma sang. On me connaît si bambou chez protestant, tu as pris l'état pour te plaindre. Même pas fait. Et yo tellement connaît ça, yo fait, papa, yo dit, pas, yo dit, yo écrit pour dire, pas pour te plaindre, c'est même mon nom, nous c'est même, c'est si, oui, c'est l'église, tout, c'est même l'évangile. Alors, ma poche, même l'évangile avant, même bon Dieu avant, et pour venir pour tout, c'est pas possible, le monde à l'envers. Je l'aime à regarder, monsieur, qui prend plaisir, qui a porté ça, qui a joué la vie, de fois, qui bibe, qui n'a même pas, parce que moi, je l'aime à regarder la vie des apôtres, moi, ça, moi, je n'ai pas l'évangile. Ça n'a rien à voir avec l'évangile. Absolument rien à voir. Parce que ça qui est écrit dans la Bible, c'est pas ça qu'on a fait. C'est pas lui qui a réglé, monsieur. C'est pas lui. Qui a ouvert le corps par l'ouvrir de Bible, c'est pas ça qu'on a réglé, ça fait pas qu'on a réglé. Parce que si c'est la Bible qui a réglé, on ne peut pas réglé. Tout le monde se joue, il y a des gens qui sont d'accord avec vous. Regardez sur Facebook, regardez sur YouTube, regardez sur tout côté, pour qui sont d'accord avec nous. Pendant que tout ça, on a écrit, il y a des gens qui gardent menti. Et bien, on a défi pour fermer bouche. Dans quel soit point, quel soit point de doctrine, quel soit samedi, bloqué, dis-moi ce que tu as dit, il menti. Et puis, pour venir, et puis, me retirer comme dans la fille qui ou à jouer, ou à insulter, ou à dire mon passage, ou à dire sauver, c'est normal. Parce que m'a dénoncé fort un passage. Jésus-Christ, elle t'a dénoncé ces mêmes bagailles-là. Ou à pour un passage. Mais si ça m'a dit, yo, ou t'es dans la Bible, ou t'es dans la comprends la Bible, ou c'est vérité, ou t'es d'accord avec, ou t'as promis cet homme qui est plus sage, là. C'est normal. M'a sage pour mon Dieu, mais vérité, mais mon Dieu, mais mensonge, là, m'a pas sage pour yo. Et le fait qu'elle me dit, ou zombie, ou bien comprendre, ça me le dit. Ou pas de l'Esprit Christ. Aussi simple que ça. Ou pas de l'Esprit Christ.
Bon, à cela, ça me devait faire un petit dialogue avec nous, partager avec nous, bien aimé. Parce que nous avons des moments d'enseignement. Et puis, comme nous connaissons beaucoup de week-ends, nous faisons un petit voyage nous, à travers l'histoire yo, pour nous capables bien enrichir le vocabulaire spirituel nous, lorsque nous appelons la prière, pour nous capables de jouer une parole. Parce que souvent, on entend des gens nous dire, même pas qu'on prie, mais les pour me prier, je ne sais pas qui ça pour me dire, je ne pas jouer une parole. C'est normal, on passe tout dans la démagogie, dans la vieille bagaille sur TikTok. L'on utilise Facebook, là, c'est pour démagogie seulement, c'est pas l'évangile ou à prêcher. Par exemple, je regarde Soul Searcher, comme il est déjà dit, je ne sais pas si vous êtes là. Et quand il me dit, avant, je suis allé écrire, je ne vais pas répondre, il est pempeli. Bon, je vais le rappeler, écrire avec nous, je vais prêcher, parce que je vais prêcher, je vais prêcher. Non, place publique, n'importe des portes à portes, des maisons à maison. Je suis arrivé devant maison, dame m'a prêché l'évangile. Dame m'a dit vérité, si devant une porte, mon devine, m'a crasé à coup de balle, Patrick. Parce que dame n'a pas choisi dans l'église traditionnelle, figuille maquille, ou t'as dit son mort, qui couchait dans ses cailles. Que figuille mort, ça a été pété à coup, ou t'as dit son mort, qui a fait accident, et puis il a cherché quoi, le chaque petit morceau, dans figuille mouna, tellement il mettait maquillage, démagogie, et puis il vient faucher, et puis t'as dit son mort, la côte. Non, yon madame, mais quand on prend le ça, qui va prendre? Qui va prendre comme ça? On a le regard des gens qui l'église, gens qui habillent l'église, qui disent l'église. Ouais, c'est les gens qui sont boîte de nuit. Et ça, c'est que Melon m'a posé mon question bidon. Mon tête comme une question bidon, parce que Melon m'a demandé, est-ce que je peux prouver bibliquement, et c'est comme ça la Bible m'a demandé pour femme voilée, pour femme habillée. Mais Melon, on va qui va par la carte, ou bien pas de Bible. Quand il va, il vient pas de théologie, ou appli. Et ça, il était tout parti, oui. Ou quitter la Bible, c'est normal, ou quitter la Bible. C'est normal ou bien quitter la Bible. Est-ce que vous comprenez? Donc, si vous quittez la Bible, c'est normal pour ne pas comprendre. Déjà, je fais un poste. Dans le poste là, je m'écris une phrase. Phrase là, c'est mon verset. Je ne vais pas mettre verset. Je ne vais pas écrire tout verset. Je prends phrase. Phrase que je mets dans le texte là. Je ne vais pas écrire tout. Elle dit, elle se couvrit. Hein, parce que c'est simple. Elle se couvrit d'un voile. Pour montrer que la femme, elle a voilé. Voilà, c'est pas dans mes têtes, il t'a comporté ça qui fait démagogique, mais toi tu calmes les éléments dans mes têtes. Faut voilà couvrir et lailler. Parce que ou pas qu'à garder toute salier femme dans le tout l'estomac, toute fente tête ou pas sous red carpet Hollywood, ou pas en star, ou pas dans boîte de nuit, pour m'abgarder toute trace qui l'autre, pour m'abgarder un jeep qui prête pour péter sous, pour m'abgarder toute l'estomac ou même soutien pour me connaître qui coule soutien sous, qui coule qui l'autre qui sous. Démagogie, ça c'est la caille pour garder pour mari ou. Pas, je ne sais pas ça. Et chaque mon femme qui habille moi, toute l'histoire, toute salée, elle dehors, ça dérange. Parce que par révélation que Seigneur a ban nous, c'est pas normal qu'on fie habillé pour toute salée, toute l'histoire, qui dehors, ça a découvert. Rate la arrivé là. Et d'ailleurs, si vous regardez sur le compte Facebook, vous avez une série de photos qui te postent. Ou pas, comment, mesdames, vous avez habillé? Et pas mon l'église, ou mon ça, vous postez à yoye. Mais radio t'est arrivé là parce que sa fille a dû courir. Là c'est femme occidentale, oui, ça c'est on va parler de moi nous les juifs les arabes tout ça non puisque tout c'est aga et c'est Sarah toutes les mêmes racines non on va parler de yo non qui voit les têtes yo qui bien habillé par quoi yo ou pas près trace qui l'autre qu'on a non bambo chez mettre sur la l'église ou pas mais dit trace qui le boudal prêt pour péter nos virades. Au lieu mon focus sous la prière tout j'ai mon dans fesse fiorité même pas cette tête sous que ça y a perdu temps y a regardé tout le monde madame tout ni habillé tout a dit l'église a tout ni en son vierge qu'elle est comment on voulait pour un vierge habillé tout ni comment on voulait pour un vierge ou son vierge pour que ta pour dignité ou oh Seigneur dit l'Apocalypse faut pas marcher nu pour pas avoir en tout parce que depuis là on tombe sous ou mêlé comment on voulait pour venir dans service pour chita m'a regardé fente jambe m'a regardé cuisse. On pas besoin ouais cuissou ou on blague ouais tendre sous tout genou pas mettre un petit bout de jeep sous tête genou et comme tu es seul sorte avec petit tête jeep ou d'aller au actrice Hollywood comme t'as un mal garçon un petit tête jeep sous tête genou ou pas qu'un grand monde vous êtes pas bien
Faut apprendre à habiller. Ou à pour modèle. Déjà, moi, son femme âgée, oui. Ou car un modèle, un exemple. Même dans le titre chapitre de deal. Dans la façon habiller, dans la façon voiler, dans la façon fonctionner. Dans la façon, on ne peut pas dire que tu es marié, tu es marié. Mais dans la façon fonctionner, ou capable un modèle. Pour tout le monde prendre. Jeune fille, jeune femme mariée, ou est comme habillé. Mais qu'on a tout le monde habillé, tout le monde est d'accord. Pour la lèvre, nous, femmes qui fait partie de l'église de Jésus-Christ. Sur le fondement des apôtres, nous disons oui, je veux que ça me comment vous avez habillé pour nous bout de tête de gonfler. Nous devons voir voiler, on dit qu'il y a un mitre tête, on a qui boue, qui boue ça. Texte a dit, elle se couvre de voile. Et ses chevaux, yo doivent voiler. Ou pas qu'à dire que vous êtes voilé pour me garder chevaux. Texte a dit, chevaux doivent voiler. Il y a un qui va dire, oui, chevaux, c'est voile. Pas un problème avant, non? Si chevaux, c'est voile, comme c'est là où a prié, yo doivent voiler. Ou pas prier, retirer voile dans la tête. Par contre, vous comprenez, raser les cheveux, à mettre de côté, l'eau a pris, on va reprendre maintenant tête. Parce que vous êtes trop insensé. Si cheveux te voilou, il n'y a pas qu'à demander pour voir les têtes encore, puisque cheveux se voilou. Après, dans le verset 13, dans le verset 11, là, est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée? Et on me dit, oui, cheveux se voilou. Bon, c'est cheveux ou voilou, dit cheveux se voilou. Eh bien, ou pas, comme vous ne pouvez pas prier, vous retirez voilà sous tête. Quand ça n'est pas qu'à prendre sens pour analyser et comprendre. Parce que c'est l'esprit qui nous fait pas, non? Quand nous prenons Jean de l'Évangile d'être en bas à l'homme, non? Et pas pour rien, non? Pour nous garder les gens. Et nous allons réunir devant toi 4, 5 personnes, 10 personnes, pour nous plomber un paquet de babochers devant nous, une pas pour l'autre. Et bien, c'est ça qui fait ça. Et pas l'autre, rien, non? Ben, sérieux, c'est pas rien. Bon, me dis-nous, c'est pas rien. C'est juste que nous besoin moun devant nous besoin gain moun et puis voilà et puis nous tout profiter prêcher démagogie. La prêcher démagogie c'est tout. Parce que besoin pile moun devant parce que nèg yo gain problème parce que les réunir pour payer dim pour payer mortgage. Et vous avez les et hein mortgage c'est ça aux États-Unis nèg yo payer mortgage yo nous n'arrive pas prêcher mais ça est fondement pour faire moun yo courir pour rien là pour payer mortgage pour mettre au dehors. Nèg ça pas prêni dans maison, yo pas prêni dans garage, yo pas prêni dans n'importe côté yo joine là. Hein? Qu'on a la wa fait nèg appel, go dit yo passé adventiste là te dit man, c'est Livy. C'était pasteur Saint Livy qui avait nous là, qui fait partie de l'église de Saint-Martin. Hein? Les moi quand les présenter parce que c'est Livy c'est dans l'église adventiste qu'elle était. L'elle présenter me pasteur Livy qu'on a là pour nous parler, pasteur Capel, pasteur il devait le dire ça. L'elle prêche la vérité, qu'on a mon yon qu'on vérité, qui t'a assemblé, à qui ça la. Non seulement à qui ça, qui comme on a tiré l'argent théologie là, parce que dans l'étude théologie, comme on a tiré l'argent, hein, et dès, comment on va faire pour le payer. L'argent là, est-ce qu'elle pas tirer? Et quand on a fini pour le dire, Patrick, on va tirer l'argent, on t'a dépensé là. Ou voulez-vous me dire vérité pour le peuple à pas payer là, dis-moi quoi? Et monsieur, Pini nous prêche fondement. En vérité, nous pas qu'à prêcher ça. Nous cherchons à faire nous pour nous chercher Christologie, Épiphanie, Épiphanie, Exégèse, Herméneutique, Scolastique, hein? Christocentrique, hein? Théophanie. Nous faisons tout ça nous voulons, mais si en vérité, ouais, ça, loin pour nous rester. Parce que vous parlez de nous. Christ parle de nous. Même Jean de Corinthiens 10, 18 là, ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé, c'est celui que Dieu recommande. Si Dieu pas recommandé les dehors, dans la théologie, nous prenons les bonnes bambou chers. Parce que Christ pas jamais chita pour l'enseigner nous. Moun kel rele la patronne pour l'enseigner, c'est ça le dit dans Jean 6, 44, 45. Mais depuis le parole, en vérité, Platon pour al suivre. Al suivi de Platon yo. Parce que Platon, il préparé pour nous, monsieur. Al étudier démagogie de Platon yo, al sa vin pote bourré. Et ça, quel est le monde m'a dit débat, par exemple, sur sujet théologie. M'a dit comment on prend le campé pour parler avec moi? Comment on prend le faire débat ça? Théologie pas gagné pour nous avec la Bible. Bon, qu'on est en train de vivre la parole qui bon. Normalement pour ouvrir la Bible, faut capable, faut dire que théologie, ça dit bon, théologie pas pour elle. Comment on peut ouvrir la Bible là pour elle parler? Qu'on a pas vieille idée Platon, vieille idée Aristote, catholique romaine, ou c'est ça, on va le prendre, mais pas moi. Et puis, pour ça tellement essentiel de oui, Paul t'a étudié théologie au pied de Gamaliel. Dans la Bible, oui, Gamaliel t'a une école théologie. Gamon dit que t'as une école des prophètes. Bon, et mais l'autre, il a dit ça dans sa nous. École des prophètes. Oui, école des prophètes. Donc, il dit dans la Bible, ouais, il écrit école des prophètes. Hein? T'es chargé. Donc, on a dit, ça, on n'a pas pour une prophète, il y a un mélon. Il y a un prophète, Jérémie, prophète, Jérémie, et puis il bombarde bouche Jérémie avec la parole. Bon, on a prophète, ça, on n'a pas pour une la frème.
Et ça me dit nous si nous pas camper bien pas venir débat ça qu'aime pas jamais mandé mon débat me quitter c'est nous mandé me débat et tout me pas sur plateau mon nous c'est nous pour venir sur plateau nous pour être les m'a déposer l'évangile les nèg commencer faire dégager et ça que citoyen dit ça oui ça qu'elle pas il pas éviter l'autre côté là c'est parce que pour le café ça les pour être caca et frapper mais ça qu'elle fait ça il connait ça le café et ça qu'aime très prudent avec l'homme parce que moi qui est l'homme protestant pas faire nous confiance nous pas sérieux nous pas honnête. Nous assassins, nous criminels, nous volons, nous toutes bagailles, protestants. Nous pas convertis, oui. Nous pas de problème pour nous touiller, nous pas de problème pour rien. Ouais, nous tout à dit, oui, nous jouer, nous marrons comme ceci, menti. Nous juste dit, nous zombies, nous pas de l'esprit Christ. Spirituellement, de pour pas porter l'esprit Christ, c'est nous mourouiller. Nous toutes nous comme ça. Si menti, démenti ma Bible. De pour pas de l'esprit. Bon, garde le texte devant moi. Allez-y. Vous étiez mort par vos offenses et par vos péchés. Ephésiens 2. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Qui l'a nous vint, je ne pardon pour péché nous. Les actes de 38 accomplis. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Dès que vous baptisez péché ou pardonnez, parce que baptême n'a eu plongé au Sévéli avec un Colossiens 2, 12, la dia, et a été en Sévéli avec lui. Hein? Par le baptême, vous êtes ressuscité en lui et avec lui par la foi, la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Donc, ça dit, où tu es mort, ou ressuscité. Maintenant, il y a un monde qui parle ressuscité avec Christ, est-ce qu'il est bon moi lié? Et il y a un monde qui meurt, est-ce que c'est un zombie lié, mais non? Est-ce que l'on a l'on a eu tout quoi, ça, comme on dit, parce que vous pas dit, oh, moi, zombie, tel de oui? Ou bien on dit, moi, moi, tel de nous pas parce que nous pas comprendre, nous pas parce que nous égarer, nous avons bon sens, non? Nous avons très bon sens, non? Et ça, comme dit, ou pasteur, ou servant de Dieu, ou dame missionnaire, ou pas même baptisé même. Quand on dit, mon baptisé, on a dit, Père, Fils, Saint-Esprit, mais l'on, ou dit, oh, mais l'on, pourquoi baptiser? Son sentier ou pourquoi baptiser? Depuis ce monde qui baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous pourquoi baptiser? Et nous allons nous défier pour nous prouver bibliquement nous baptiser. Qui mort? Et sur qui base? Mettez-nous tout en défi. Qu'est-ce que les protestants liés, protestants traditionnels, les pasteurs théologiens, ou t'as l'étude, ou t'as un bac plus 40 en théologie, ou t'as fait thèse, ou t'as doctorat. Ou baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, prouvez-moi bibliquement comment faire baptiser sous qui Jean. Et bien, prouvez-nous que nous ne nous pas baptiser. Et c'est ça qui fait mouiller nos zombies. Parce que nous pas péché, nous pas pardonner. Acte de 38 pas accompli dans la vie, nous. Péché nous pas pardonner. Péché nous encore là. Donc ça veut dire nous encore mort. Puisque c'est péché grand monde mort. L'homme, on a vivre. En esprit, c'est-à-dire son homme ou bien une femme spirituelle, les ça, ils sont monde qui vivant. Pourquoi? Parce qu'elle portait l'esprit vivant en elle. Lorsque lui n'a péché, ils sont monde mouri. Pourquoi? Parce que l'esprit Christ pas en elle encore. Puisque c'est l'esprit Christ qui rend monde vivant. J'en dis dans Jean 6, 63, la chaîne c'est de rien. C'est l'esprit qui vivifie. Et les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Maintenant, si je pas gain l'esprit Christ, je vivais ça comme douceur, dit me passer. On veut dire quand peut dire passer quand peut dire passer dire serviteur ou passer ou bien dire serviteur pas personne ou il y a un monde qui quand peut dire pas personne monde qui sait on met comme monde sont gros ignorants que dit on ignorant achevé quel soit pasteur quel soit leader qui t'a campé couvrir j'ai dit ou pas de monde qui sait ou est citoyen ça même sauver il pas qu'à sauver non parce qu'il pas connaît comment monde sauver. Ça n'a pas mon bon Dieu, il n'a pas gagné ça, ça va pas faire l'évangile du tout. Parce que lorsque mon campel dit, ou passer, il vexe, parce qu'il ne doit pas gagner cet esprit, non, parce que c'est cet esprit que le monde sait. Ou pas gagner cet esprit, ou pas gagner mon sait. Et ça, veut dire dans le compte 14-33, hein, comme dans toutes les églises des saints. Pourquoi? Parce que l'église a porté l'esprit Christ. On a eu le capot de m'passer, mon vieux m'a donné qui m'a mis gaz et qui prévient ou il m'a gagné des gars. On a eu le capot de prouver qu'il me sait. Hey, pour me passer, il faut me l'esprit Christ en moi. Mais si je l'esprit Christ, on va pas camper pour me passer. On a ou même dit pas baptisé. Ou passer. Ah oui, ou passer. Ou pas de l'esprit Christ, ou passer. Je me rappelle quelqu'un qui a posé une question. Il dit, mais oui, Patrick. Il me dit, oui. Est-ce que c'est? Et il me faut réfléchir. Il me dit, oui, je sais. Qu'on a dit, ah mon cher, comment faire du Seigneur? Pas de monde qui sait. Il me dit, ça même. Qui se dit, ou m'a dit, est-ce que l'esprit Christ dans moi? M'dou, oui, m'gayel.
qui sacre le monde saint? C'est l'Esprit Christ. C'est mon demande. Là, tu me dis que je suis saint. Ou me dis que c'est l'Esprit Christ. Bon, je suis saint. Je suis saint pour me dire pour me passer. Si je me passe, je ne suis pas l'Esprit Christ. L'église là, elle est l'église des saints parce qu'elle portait l'Esprit Saint. Oh, l'église Christa, elle n'est pas physique, elle est spirituelle. 1 Pierre 2, 5. Et vous, Pierre vivant, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir à Dieu des victimes spirituelles, agréables par Jésus-Christ. Donc ça veut dire, la maison qui est l'église, c'est une maison spirituelle. Et tous les gens qui font partie de cette église sont spirituels. C'est pour cela qu'on appelle cela une maison spirituelle. Pourquoi? Parce que dans cette maison se réunissent tous les gens spirituels. Pourquoi? Parce que nous adorons un Dieu esprit. Maintenant, quand vous me dites que je ne suis pas saint, là, vous m'avez manqué de respect. Parce que vous dites littéralement que je n'ai pas l'esprit de Dieu. Je n'ai pas reçu le Saint-Esprit. Or, c'est le Saint-Esprit qui rend saint l'Église. Qui rend sainte l'Église. C'est le Saint-Esprit qui rend l'Église une Église glorieuse. 1 Pierre 4, 14. Et si vous êtes outragé pour le nom de Christ, réjouissez-vous de ce que vous avez à souffrir avec Christ. Car l'Esprit de Dieu, l'Esprit de gloire repose sur vous, l'Esprit de gloire. C'est-à-dire, le Saint-Esprit est un Esprit de gloire. Et c'est cet Esprit de gloire que nous avons besoin dans Éphésiens 5, 27 pour être prêt à l'enlèvement. L'Église glorieuse, pure, sans tache, ni rien de semblable. Vous n'êtes pas cette Église, vous ne pouvez pas être sauvé. C'est pour ça que je vous ai dit dans une émission, vous devez absolument être saint. Vous n'avez pas le choix. Vous devez absolument être saint. Vous n'êtes pas saint, vous n'êtes pas frère. Vous n'êtes pas saint, vous n'êtes pas sœur. Vous n'êtes pas saint, vous n'êtes pas église. Vous n'êtes pas saint, vous ne pouvez pas être enlevé. Vous voulez être enlevé? Soyez saint. Vous voulez être église? Vous voulez être appelé église? Soyez saint. Vous n'êtes pas saint, vous n'êtes pas frère. Et c'est la même chose, Mélon. Ça, c'est pour toi, Mélon. Être pasteur, c'est un don, c'est un appel, c'est une vocation qui vient de Dieu par révélation. Parce que cette révélation est remplie de connaissances. La connaissance du mystère de Christ. Et ce don spirituel, ou bien les cinq dons du ministère, les cinq dons ministériels, ce ne sont pas des études, mais c'est le Saint-Esprit qui joue le rôle. Pasteur, comme je ne te considère pas comme pasteur, tu es pasteur, ce n'est pas toi en soi, mais c'est l'Esprit de Dieu qui est, qui joue le don de pasteur en toi. Tu es apôtre, ou prophète, ou docteur, ou peu importe. Les apôtres, l'apôtre Paul, il avait le don du Saint-Esprit qui jouait le rôle d'apôtre. Sans l'Esprit de Dieu, vous ne pouvez pas jouer ou exercer l'un des dons du ministère, des cinq dons du ministère. Même les dons spirituels, si vous n'avez pas reçu l'Esprit de Dieu, vous ne pouvez pas avoir un don spirituel. Parce que pour avoir un don spirituel, il faut avoir reçu le Saint-Esprit. Maintenant, si vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas exercer un don spirituel. Vous ne pouvez pas exercer un don ministériel. Les dons spirituels, c'est pour toute l'assemblée. Y compris les ministres ont des dons spirituels aussi. Mais les dons ministériels sont que pour les ministres. Que pour les ministres, les gens qui sont... que Christ a placé pour diriger, perfectionner son église. Et ces dons spirituels et ministériels sont pour eux. Aucune femme n'a droit à un don ministériel. Aucune femme. Ça n'existe pas. C'est pour ça que quand vous regardez dans les églises traditionnelles, vous voyez une femme qui prêche. Quand je vois dans le camp de concentration de Mélan,
J'ai eu des femmes avec des faux cheveux. On aurait tout essayé. À parler de ça, mais non. Ton église là, j'ai bien dit oui. Ton église là, Melon, c'est Baptiste ou ah, je crois que c'est évangélique, c'est ça? Évangélique de Brooklyn, c'est quelque chose comme ça, église évangélique. Je pensais que c'était une église baptiste parce que les femmes qui font partie de ton église là, ces femmes sont comme des Jézabel, les faux cheveux, même pas devant du gros chapeau. Vous avez vu ça? C'est dans quelle Bible ça? Juste pour avoir des fidèles. Moi, je m'en fous des fidèles. Je m'en fous des quantités. Je veux de la qualité, Melon. C'est ça la différence entre moi et ma voix. Différence, c'est que ma prêche, l'évangile pur là, propre, classe là, qui sur le fondement, où vous voulez venir vivre, vous voulez partir, partir. D'ailleurs, mes salam déjà dit, il y a des gens qui l'ont pour un jour, deux jours, trois jours, un mois, deux mois, trois mois, quatre ans, cinq ans, après, libre aller. Et l'aide est arrivée pour l'aller, la péton l'homme, si le pas on bagaille dans le message pour le virer de l'aller. Parce que la cherche pour l'IA, c'est frère tel qui bagaille, mais c'est peut-être ça me dit déjà menti. L'été là pour le temps, moment arrivé. Moun Christ pour là pour tout temps, c'est moun Christ ajouté. Parce que c'est Christ qui ajoute moun dans l'église. Quand on a dit oui, à l'église va grandir, bambocher, ou pas qu'à grandir, l'église on l'homme mouillé. C'est Christ qui fait l'église grandir, c'est lui qui ajoute moun. Qu'elle soit peu importe, soit ta foi ou pas qu'à ajouter moun. Déjà, même pour l'évangéliser, ou pas qu'à l'évangéliser, ou pas porter l'esprit Christ. Sinon, dans Matthieu 28, 19 là, les Jésus qui finissent par la disciple, finirait le verset 16 là, il prend de voir, monsieur Vini. Non, verset 28 là, il va au mot d'ordre là. Il n'est pas arrivé dans Acte chapitre 1, verset 4 pour dire pas quitter Jérusalem. J'en ai dit, nous allons même ce temps pour qu'on parte. Parce que faut que ce soit scellé du Saint-Esprit. Ou pas l'évangéliser sont pas pleins. Ou pas prêcher l'évangile sont pas pleins. Ou pas des potes en potes sont pas pleins. Ou pas des maisons sont pas pleins. Ou pas sous place publique sont pas pleins. Et on veut enseigner bien, c'est plein pour plein avec l'Esprit Christ. Ou voulez des connaissances, c'est plein pour plein. Et en vérité, par expérience, m'a dit ça. Il y a des révélations, Seigneur, qu'on a bande de l'eau courir dans une, de l'eau pompée. Je ne sais pas, m'attends des rois qui disent, mais gardez le texte là pour eux. Gardez tel texte. Est-ce qu'on a compréhension au bail d'Elia, c'est ça? Lis pour eux, mettez jaune dans le texte là. Et puis, m'attends des voix. Dieu réel. S'il est là, l'a construit, l'a formé, l'a bonne connaissance. Tout le monde qui décide d'étudier théologie, c'est montrer que c'est bambouché et Christ parle les ouvriers. Christ parle qui ont cette ou bibliquement qui t'as dans théologie. Qui modèle ou gagne. Même Jean pour baptême, non? Ou baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bon, qui dit ce qui baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Quand après, elle a pour te faire un problème maintenant. M'baye problème avec nous, monsieur. Nous baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous défendons le baptême, nous, pas vrai? Nous d'accord avec nous. C'est normal, nous, nous, bagaille, faut nous défendre. Maintenant, mais ça va demander nous, monsieur. Bon, nous, disciples qui baptisent au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Bon, nous, monde. Bon, nous, disciples, bibliquement, pour texte, dîme, parti, mais quand t'aimes tes ouelles, mais quand t'aimes baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. De vous prouvez ça, baptême ou encore. Mais de vous, on va la prouver. Quand on dit si t'es baptisé comme ça, quand on apporte t'es baptisé comme ça, ou pas baptisé. Ou bien ça repenser encore. Et ça, ou bon maladie diarrhée qui prend. On maladie vent passé qui prend. On va regarder dans le bibou. On va arriver dans Matthieu 28, 19. On va être collé là. Dans la recommandation. Mon pas qu'à jamais aller dans l'exécution recommandation. Parce que depuis où il vient dans l'exécution, vent passé à prendre. Parce que vous avez répété. Depuis vous voulez sauver, oui. Sauver un tel et sauver. Ou quand vous avez dit sauver, ou bon vent bouillir pour. On va dire, mais c'est. C'est vrai, me parler, mais faut me tête sérité, mais ça le dit, c'est vrai, oui, les m'analyser. Les m'analyser, oui, monsieur. M'batille, on a dit, perdu, j'ai dit, j'étais sous, mais attends, mais d'ici qu'il y aurait un message là, d'ici qu'il y aurait une recommandation, mais qui ça y a fait même? Bon, regardez, vous moi. Et cet esprit, le jeu de la bonne côte, il descend, même Jean, ouais, apôtre la tête, dit dans Matthieu 3, Jean-Baptiste dit dans Matthieu 3, dans verset 12 là, il dit, c'est pas lui qui a fait baptême cet esprit à nous. Goyoun qui pique, gros, parce que c'est lui qui a fait baptême du Saint-Esprit. Et le jour de la bonne côte, Jésus qui vient, il vient faire baptême du Saint-Esprit. Maintenant, si Jésus qui vient, il vient faire baptême du Saint-Esprit, c'est qu'elle confirmait baptême de l'eau, monsieur, il prend. Il confirmait baptême que monsieur, il prend le faire. Il va la prouver, Jean, monsieur, il prend le faire là. Et qu'on a là, si vous même vous dites que
Ou baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. En sérieux, ou met pas vle ou, m'baye pour la mouem d'amour mouem ou, sauf que dans l'évangile m'baye joué, m'baye, c'est pas faute mouem pas joué, même ma tête mouem pas joué bien aimé, parce que m'baye fragile. Même David dit dans Somme 39, je crois, Somme 39, 9, il dit, Seigneur, que je sache combien je suis fragile, fragile. Donc ça veut dire, m'baye qu'à jouer, déjà, ou comprenez moi, déjà, m'baye qu'à crochir pour m'baye suivre mon crochir. Quand on a la cible, ça t'aime gauche, il faut me suivre, on va marcher droit. Et ça, quand on dit, on va marcher droit, c'est chouchou mieux. Depuis que vous voulez marcher droit devant mon Dieu, c'est tout chouchou mieux. On va mourir. Vous comprenez même? De l'amour que tu as conservé de Dieu, qui portait Christ, mon cher, même là, je viens dans la réunion. Et ça, comprenez même? Parce qu'on porte ton esprit de gloire. On porte ton esprit chéri, qu'on dit, j'ai dit, Seigneur, chéri l'esprit qui est maintenant au roi. Maintenant, si son esprit chéri, et ça, dans l'assemblée, dans toute ministère, c'est chéri, c'est frère, chéri, c'est chéri, c'est comme ça nous fonctionner, c'est d'amour, non. Vous comprenez? Qu'on a sous son nom Chanel, là, on a dit, c'est d'amour, non. Et frère d'amour, non. Qu'on a pas des problèmes. Non, oubliez que l'esprit, non, c'est l'esprit chéri lié. Paul dit, dans Philippiens 1er 8 là, il dit, Christ est moi. Christ est moi que me chéris nous. Et ça dit, car Dieu me témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. Ça veut dire, s'il chérit l'église, et ça fait dirigeant aimer l'église qui devant là. Ou pas qu'un pasteur ou dirigeant assemblée ou pas dans l'assemblée. Ou bien d'amour, ou pas qu'à d'amour l'église pour pas exprimer amour pour l'église. Faut dire l'église m'aime, l'église d'amour, frère d'amour. Et on parle de frère avec frère sœur, on va parler de la parole de frère, on exprime l'amour nous. Dans la crainte de Christ. Vous n'avez pas dit que, bon, oui, on baptisait. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Quel est le nom du Père? Quel est le nom du Saint-Esprit? Pour des gens, le Saint-Esprit n'a pas de nom. Saint-Esprit n'a pas de nom. Ah bon? Et vous êtes baptisé, mais vous ne connaissez pas le nom du Saint-Esprit. Mais quand même, vous faites le baptême au nom du Saint-Esprit. Et déjà, si je vous pose la question, quel est le nom du Père, vous allez me dire Yahweh, El Shaddai, Adonai. Pendant ce temps, je regarde une vidéo, tout c'est l'ouvre sataniste qui a parlé. Vous comprenez pourquoi cette vidéo attire l'attention? On dit une vidéo tout petit. Là, il dit monde qui aux États-Unis, Biden, et pour être capable de débloquer, pour financer une somme qui sont bouillie. Elle dit, changez tout côté au Seigneur, tout côté au l'Éternel, mettez Jéhovah ça, Rémou, ça, je ne sais pas dire, on démon. Bon, bon, tout le ils ont dit, bon Dieu, pas nous, sur le fondement des apôtres, il va y aller Jéhovah. Il y a un vieux chant africain qui dit, Jéhovah est son nom. C'est faux, Jéhovah n'est pas son nom, Jésus-Christ est son nom. Comme papa les hébreux, m'a besoin de dire en hébreu. Jésus-Christ est son nom. Jéhovah n'est pas son nom. Jéhovah, c'est le Dieu des témoins de Jéhovah, le Dieu de Shaddai, Joseph, Satanis. Et c'est pas étonnant pour si l'on va prendre même bien Jéhovah, ça tout. Parce que Shaddai, Joseph, en tant que franc-maçon, fondateur des témoins de Jéhovah, lui-même tout, c'est Jéhovah, le témoin. On a le regard de l'église traditionnelle là, monde qui parle, qui pas comprendre, qui parle de oh, Jéhovah, il a prié Jéhovah. Mais ça va pas la tête. Quand on est ça sous fondement, Acte 12, il n'y a de salut en aucun autre. En aucun autre nom. En aucun autre. En aucun autre nom. Maintenant, il n'y a de salut en aucun autre nom. Mais qu'est-ce que vous êtes venu faire avec Jéhovah? Qu'est-ce que ce nom vient faire là? Vous allez me parler de Genèse 14, oui. Jéhovah Jireh, c'est le nom d'un lieu. C'est le nom, c'est le seul verset qui parle de ça. Le nom d'un lieu. D'ailleurs, le nom d'une montagne. C'est un lieu. Les apôtres, j'ai été roi, les apôtres, ils m'ont dit, il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a de salut en aucun autre nom. Aucun autre nom. Aucun autre homme. Aucun autre nom de notre homme. Quel est le nom de celui-là?
Il s'appelle Jésus-Christ. C'est lui l'homme, c'est lui le nom. Maintenant, quand vous êtes, vous arrivez avec un nom, le nom, je ne sais quoi, Jéhovah, ou tellement de noms. Et le sataniste franc-maçon a dit qu'il faut changer partout dans la Bible, vous avez vu, Seigneur, mais Jéhovah, ça rime ou ça rime, je ne sais quoi. Changez ça et mets ça. Et vous faites la prière, lisez des choses avec des bougies allumées. Des bougies allumées. Vous voyez les gens qui chantent comme ça, qui le donnent de Jéhovah ou comme les Shekinah satanistes de Grégory, tout cela. Hein? C'est un manque de connaissance, bien-aimé. C'est pas sans raison que je suis comme je suis. Entendre la voix de Dieu qui te dit, hey, regarde dans ta Bible, regarde le texte, examine le texte, est-ce que ça, regardez, est-ce que c'est ça la compréhension du texte? Et moi, j'ai dit, Seigneur, certainement pas. Et c'est comme je, d'ailleurs, c'est à ce moment-là que j'avais compris ce que c'était être en extase, comme disait l'apôtre Pierre dans Acte 10. Ou comme l'apôtre Paul. C'est comme si j'étais retiré de l'assemblée et puis j'entends la voix et je voyais, j'entendais et j'observais la correction que Dieu a apportée. Regardez le texte. Mais c'est la Bible boussole. Vous êtes baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vous avez vu quelle personne a été baptisée comme ça? Quel disciple? Et vous êtes en train de, oh ouais, je suis baptisé, je suis pasteur. Vous n'êtes pas pasteur. Vous avez encore vos péchés. C'est pour ça que je vous appelle des zombies. Lisez vos Bibles. Dites-moi où vous avez vu quelqu'un baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dans quelle Bible? Dites-moi où vous avez vu une femme pasteur, une femme qui dirige un service. Pendant ce temps, la Bible a dit que les femmes se taisent dans les assemblées de Mélon. Je vois dans ton église, dans ton entreprise à Mélon, des femmes qui dirigent, qui font tout et n'importe quoi à l'intérieur de ton bâtiment. C'est dans quelle Bible tu as vu ça? Oh, le texte a dit que les femmes se taisent dans la salle. Car il est malseigneur à une femme de parler dans l'église. Mais vous êtes aveugle ou vous faites exprès? Vous êtes aveugle. Oh, vous avez été à l'école, vous avez étudié la théologie, mais vous êtes devenu aveugle. Mais vous avez fait théologie bac plus 40. Vous lisez. Vous avez bien vu. Le texte a dit il est malseigneur à une femme de parler dans l'église. Maintenant, la femme ne fait pas que parler, elle dirige un service. Et après, vous allez me parler de Déborah. Vous allez me parler de Anne, de Hilda, les filles de Philippe. Vous n'avez pas vu où les filles de Philippe prophétisaient? C'était chez Philippe. Ce n'était pas dans l'assemblée. Vous vous avez dit, Anne était dans le temple, Anne prophétisait dans le temple. Mais avez-vous, vous vous êtes posé la question? Anne était dans le temple, je suis d'accord. Mais elle était dans quel parvis? Dans le parvis des hommes? Ou dans le parvis des femmes, puisqu'elle ne pouvait pas aller dans le parvis des hommes. Donc ça dit, vous avez dit, vous ne comprenez rien du tout. Vous ne comprenez rien du tout. Et l'homme qui me demande, dis-moi, dans quelle Bible vous avez vu que c'est comme ça la femme, les femmes doivent s'habiller? Ou pas bien mal poser question à mesdames qui toutounent dans le bambouchoua pour dire, de toute façon, bien content, vous habillez pour qu'elle prenne un joffre, bande passe Chanel. Côté nous. Et pour ça, qu'elle nous a habillé tout nous, oui. Pour nous prendre plaisir, nous. Pour nous jouer la vie, nous. Et ça, qu'elle nous a habillé. Hein? Et ça, qu'elle nous a habillé. Depuis qu'il est, nous, tu connais femme, tu connais habillé, Jean Noël, oui, là. Depuis qu'il est. Depuis qu'il est aux femmes, tu connais pas habillé pour qui qu'il est, qui coule, qui l'autre, qui souligne. Depuis qu'il est. Ou pensez que mesdames, ça, vous avez présenté devant Apotio, à tenir, vous là. Jean Noël, un paquet de bambouches dans le bâtiment, nous pensons qu'il était capable d'entrer dans l'église devant Pocho, dans l'état ça? Non, mais mes amis, c'est esprit nouvel. Nouvel esprit. Nouvel esprit. Et ça qui est drôle, c'est lorsque vous regardez, vous parlez avec mon nom, qui vocabulaire m'utilisez? M'utilisez deux vocabulaires. Ou plus, parce que m'utiliser zombie, le mot zombie, en bon créole. Et après ça, m'utiliser aveugle de naissance. C'est-à-dire, on ne dit pas ouais. C'est ça, m'utiliser. Ça, c'est pas insulte, ça, vous voyez. Ce ne sont pas des insultes.
zombie ou bien mourir, si vous lisez la Bible, automatiquement vous avez compris ce que veut dire zombie ou mort. Quand quelqu'un vous traite de zombie, c'est dit, cette personne ne vous reconnaît pas comme un enfant de Dieu. Cette personne ne reconnaît pas que vous avez l'esprit de Christ. C'est ça, ça veut dire. Depuis que zombie, je ne parle pas comme frère. Je ne parle pas comme mon qui a l'esprit de mon Dieu. C'est ça, ça veut dire. Zombie, je dis mon qui a l'esprit de mon qui mourit. Et c'est ça qui est écrit. L'homme animal est un zombie. L'homme spirituel est un vivant. C'est ça la différence. Où aller et nega lever la forme comme ce matin, quand dit jeune petit garçon. Là, tu étudies, là, tu fais étudier, l'étude de théologie, et puis elle vient nous ouvrir en boutique. Et puis, au contact de là, c'est que mal gardé, mal visité boutique là. Mal allé. Comme quand il y a des gens, pardon, dans le monde, quand il y a Monsieur loué, n'a mis tout à côté tout business yo ya, tout magasin yo. Monsieur loué, n'a mis tant magasin yo. Et puis il équipé, par contre ils sont prêts, monsieur t'as dans la banque pour équiper en dans bagage là comme ça. Mettez tout bas, je connais, je vais faire l'église, je vais attirer monde. Et vous comprenez? Et j'ai au passé premier petit côté ya, après ça deuxième bagage vous faites c'est acheter batterie, mettez musique, après ça bail manger et puis après l'église à sous la compte. Sauf que par après j'ai message fondement non. Parce que soit après j'ai message fondement, tout le monde va aller. Pas que monde qui a prêté. Ou bien j'ai mon rêve dans l'église, pas faire comme moi, non. Si vous faites comme moi, pas go green moun. Et ou pas de moun attendre non plus. Pas proposer moi, j'ai le fondement des apôtres, et vous voyez la vérité. Et puis vous n'allez pas pour le corps de l'église, quand il y a un pasteur brésil, il s'agit de si ces messages-là me voulaient, mais pour mettre les messages, ça me déjà casse tout pour aller. Nous disons que c'est à quoi nous allons laisser. C'est soit on d'accord pour prêcher l'évangile de Christ ou pas prêcher. Est-ce que vous comprenez? Et c'est pour choisir. Vous comprenez? Vous avez choisi qui sont de fait. Il s'agit des gens qui sont là, il a dit, mais ma prise de quand même. Et son serviteur, moi, mon pire, parce qu'il est très courageux. Et il est honnête dans toute sa vie. Il s'agit de comment la situation est. Mais ma prise, il s'agit de ma prise. Est-ce que vous comprenez? Ou pas qu'à prêcher ça après que tu as prêché. Ou pas capable. Parce qu'il fallait demander au pasteur, quand il ramasse la collecte, les offrandes là, les dons, je ne parle pas des dîmes parce que ça n'existe plus. Est-ce que ce pasteur redistribue la dîme là, hein, les collectes là, les offrandes là, les dons, est-ce que le pasteur redistribue ça? Ah, quand il fait, quand il dit, nous amène là. Je ne sais pas si je vais me dire, please. Je ne sais pas si je vais me ça a dit là, je vais me dire, amen, amen, non. Parce que là, je vais reprendre un an. Est-ce que vous comprenez? On a quoi dire pour. Parce que la Bible dit, parce que nous, apôtre, d'ailleurs, il faut poser la question. Parce que est-ce que c'est apôtre ou suivre? Et là, oui, c'est apôtre qui m'a suivi. Elle me dit, est-ce que c'est message apôtre qui m'a prêché? Elle me dit, oui, c'est message apôtre qui m'a prêché. Mais parce que moi, apôtre, tu redistribues l'argent, tu ramasses. Mais parce que moi, on ne redistribue l'argent. Là, tu mets tout de suite. Soit on prend calotte, ou bien le fil, mon cigare qui touille la figure, ou bien le fou de l'eau dans l'église. Quand il s'est dit, l'autre, là, tu as demandé le compte sur l'argent dépensé, tu as dit, pour mise en base, c'est mon compte sur l'église. On a dit, ou même qui vient avec la cabine, pose une question sur l'argent dépensé. Il y a raison, il y a quand il vient ici, qu'on a bien posé le contrôle de l'explication. Et dans l'église, qu'est-ce qui va exister? Bon, regardez, il y a une là qui dit, mais comment elle est tête là? Wesley Son, c'est ça? Wesley Son Jean? Il dit, c'est une grande ministère femme. Wesley Son, en sérieux, on a nous en direct. Moutem nan Bible à côté femme nan gen ministère. Moutem ministère femme nan côté l'existe. Nan qui verset? Et qui bon femme te kapé prend la parole nan miton assemblé? Anarino, réponds-moi. Parce que si bon ministère femme, c'est que bon femme qui te pasteur, bon femme qui te apôtre, bon femme qui te prêché, bon femme qui te évangéliste, m'a koné. Dim qui bon femme te prend la parole nan miton assemblé, elle t'a parlé. Dim! Et qui bon ministère femme ça existe dans qui verset sur qui base?
Mais vous n'avez même si ça veut dire bon Dieu mettez femme sous côté. Ou pas qu'on femme yotie chouchou bon Dieu eh? Sauf que yo gen wòl yo, on a posé une question pour que femme yo pas gen droit et puis ma bonne écriture là qui baille raison qui cause les femmes yo pas gen droit faire ça. C'est pas comme si l'aime dombage au camp en face moi ou voulez attaquer moi gouma avec ou voulez bagaille comme si m'd'a voulez insulter manquer me dégât. C'est pas ça pour faire. Dis-moi sur son monde bon Dieu oui. Ou dit serviteur, ou dit femme n'a pas gagné ministère, pourquoi? M'a répondu nous. Serviteur, ou dit femme, ou dit baptême au nom du Père, les moun pas ka baptiser comme ça. Serviteur m'pas comprendre, c'est pas comme ça Samuel. M'a répondu nous, m'a expliqué. M'a expliqué. Mais pourquoi on veut goumer jouer mais sur pour ça? Mais pourquoi vous voulez faire? Vous voulez savoir pourquoi? Quelqu'un qui est baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit n'est pas baptisé, posez la question. Vous voulez savoir pourquoi une femme n'a pas le droit de prêcher, de diriger, de parler dans l'église? Posez-moi la question. La Bible peut répondre. Et d'ailleurs, ce n'est même pas moi qui vais répondre. C'est la parole qui va parler. Parce qu'il faut laisser parler la parole. Ministère de la femme. Dans quelle Bible? Ministère des enfants, dans quelle Bible? Ministère de la jeunesse, dans quelle Bible? Groupe des enfants, groupe Petit Samuel, groupe Madoché, groupe Déborah, dans quelle Bible? Oui, on va connaître Wesley son Jean-Louis Olam, pas connaître non bien, mais c'est pas dit ou pas pour occuper non, sous son monde bon Dieu. Faites être au moins font bagaille pour la vie ou. Ouvrir biboua. Ouvre, il dit, serviteur, soit dit, c'est pas vrai, non, mais ça, Bible, moi, il dit. C'est ça pour faire. Et c'est le problème, ça me garde protestant. C'est pas normal. Si le don bagay ou pas d'accord avec elle, eh ben, ou pas d'accord avec samedi, automatiquement, juste prouver qu'on pas d'accord, bibliquement, quelle raison? Je dis qu'il n'y a pas de ministère des femmes, il n'y a pas de ministère des enfants, il n'y a pas de ministère de la jeunesse. Hein? Ah ben, si je vous dis qu'il n'y en a pas ça, automatiquement, qu'est-ce que vous devez faire? Ah ben, automatiquement, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous prenez votre Bible, vous me prouvez que ce n'est pas vrai. Serviteur, vous avez dit qu'il n'y a pas de ministère des femmes, en voilà le ministère des femmes. Hein? Vous ne demandez pas en voilà le ministère des femmes. Apparemment, il y avait quelqu'un qui voulait poser une question, je ne sais pas. Bon, comme je ne sais pas, pour manier ça... Alors, de Danny Gallio qui dit, c'est un mot moderne, ministère de la femme. Il n'est pas biblique. Oui, il n'est pas biblique. C'est comme tu vois, et Melon qui a parlé de Robert Rex. M'étonne, me dit, oh, Melon fait recherche. Melon a parlé de Robert Rex, hein, fondateur de l'école du dimanche. Hein? Quand la question de me poser, Melon dit, que l'on est démagogue, il n'y a pas la peine de pour comme normalement, Melon. Est-ce que Robert Rex est chrétien? Est-ce qu'il était l'église? Puis si mon Robert Rex est campé, prend dans la rue pour faire catéchisme avec toi, qui ça t'a utilisé pour la bonne dimonde? Est-ce que Robert Rex est catholique? Qui ça t'a trouvé? Est-ce que c'est païen? Est-ce que bon? Est-ce que c'est un disciple de Jésus-Christ? Il va la répondre, moi. Il va la répondre. Et peut-être ça, tellement, mais vraiment, c'est fatra dans le monde ou bien dans le catholique gomène. Il va la répondre, moi. Il va la répondre. Il va la répondre. Et Wesley son Jean. Son prétexte, ça, il est. L'autre, vous parlez pour faire tac au tac. Son prétexte. Ou apprend Bible. Comme c'est mon bon Dieu, c'est ça, vous voulez faire me comprendre. Ou ap juste prendre Bible serviteur, mais sous qui base, oui, me dit, des ministères des femmes, non. M'a gardé verset ou là, m'a comparé avec Pam, non. Tout le monde qui l'a eu, a jugé, et puis après, bibliquement, qui est-ce qui guérit? C'est pas comme si m'dadou, qui, m'a pris un pot, m'a pris un pot, non, n'a pris ça, Bible a dit à qui vrai, pour nous garder pour nous, qui est-ce qui correct selon la parole de Dieu, qui exact selon les écritures. M'a rappelé pendant mon arrêt bus, et puis, il y a un jeune homme qui peut tomber au chou, ben moi. Mais c'est mon évangélique, mon qui n'a pas de mouvement évangélique. L'elle peut tomber au chou là, et puis me garder au chou et puis me questionner. Je me pose une question. Même quand elle est énervée, elle me dit, mais vous faites honte. Vous êtes en train de
d'évangéliser, si je comprends bien. Vous avez une brochure donc, dans laquelle on parle de Jésus-Christ. Je vous questionne sur cette brochure qui parle de Jésus-Christ. Vous ne pouvez même pas répondre ni défendre votre foi. Comment vous pouvez être chrétien, disciple de Jésus-Christ? Vous ne pouvez même pas défendre la doctrine de Jésus-Christ, défendre votre foi, défendre ce que vous croyez. Si vous n'arrivez pas à défendre ce que vous avez en vous, c'est que vous ne croyez en rien, c'est que vous n'avez rien en réalité. Alors vous allez me questionner de ma doctrine, me questionner de l'évangile que je prêche. Je vais vous dire non, je ne veux pas faire tac au tac, mais il n'y aura pas de tac au tac. C'est une question que, voilà ce que dit la parole de Dieu, on examine et puis on retient ce qui est bon. Mais c'est quoi le problème des protestants? Ou quand on dit que le ministère des femmes, ben, ouvrez vous à moutem côté lié. M'dou li pas de ministère de tellement pas de ministère des femmes, femme n'a pas même gain droit pour parler dans l'assemblée. Bon, si le pas gain droit pour parler, m'a même aller dans cadre prêcher dirige. Bon, s'il pas qu'à parler, pas prêcher dirige la dirige. Bon, yon dit pas qu'à parler pour aller dans prêcher, pour diriger qui bon. Yon dit pas qu'à parler pour aller camper devant le chrétien, bon Dieu béni nous. Qui bon, dans qui bible? Ah bon? Oui, ça a dit que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison. Mais elles n'ont même pas le droit d'interroger l'enseignant dans l'assemblée. Elles doivent rentrer chez elles et interroger son mari à la maison. Elles n'ont même pas le droit de questionner dans l'assemblée. Vous, et c'est la raison pour laquelle je demande, mais vous avez l'imbal. Je ne sais pas, mais il y a un problème. Il y a un problème. Elle n'a même pas le droit de questionner. Bon, elle va diriger. Elle va prêcher. Elle va être pasteur, apôtre, docteur, évangéliste. Vous allez me poser cette question-là. Est-ce que la femme peut prophétiser au milieu de l'assemblée? Non, elle ne peut pas prophétiser pendant le service au milieu de l'assemblée. D'ailleurs, le Saint-Esprit ne l'utilisera pas pour prophétiser dans l'assemblée pendant le service, puisqu'elle n'a pas le droit de prendre la parole. Parce que l'Esprit, comme le texte a dit, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre quand même. Ce n'est pas sans raison. Parce que l'apôtre a pris le temps de parler aux hommes avant de s'adresser aux femmes. Et quand l'apôtre va s'adresser aux femmes dans le verset 32 et Corinthiens 14, il commence par cette phrase en disant « L'esprit des prophètes sont soumis aux prophètes. » Point virgule. Comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées. Maintenant, si l'apôtre sait que la femme a le droit de prophétiser, or l'apôtre dit « L'esprit des prophètes sont soumis aux prophètes. » C'est qu'elle n'a pas le droit de le faire. Maintenant, vous allez me poser des questions par rapport aux filles de Philippe. Les filles de Philippe prophétisaient dans la maison de Philippe. Elle va recevoir le message, elle va transmettre le message et on va rapporter ce message. Mais elle n'a pas le droit de se mettre debout pour parler, pour dire oh, si vous faites ça, c'est pas l'esprit de Dieu. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. Je n'ai aucun problème. Vous pouvez me démentir, hein? Prenez vos bibles et dites-moi où vous avez vu ça, parce que la Bible a dit qu'elle n'a même pas le droit de parler dans l'assemblée. Maintenant, si elle peut faire quelque chose d'autre, à vous de me montrer où, dans quelle Bible. Dans quelle Bible, et puis moi je me retire. Et Dani dit, tout ça qui fait pour avancer ces paroles, bon Dieu, m'koué, c'est un bagaille qui bon, serviteur, bon de bagaille, bon de serviteur, oui. Et c'est pas vous-même qui pouvez l'imaginer qui ça pour faire pour avancer ces bagailles, ou pas qu'avancer ces bagailles, bon de serviteur. Déjà, même pour marcher droite, ou pas qu'à marcher droite, ou pas qu'à faire effort, m'kondé, 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 effort, faux. Bambochette en coup, égarette en coup, bambochette en coup, mais égarette en coup. Pas qu'à faire effort. À qui force m'a fait effort? Le Seigneur dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jean 15, 5. Mais si sans lui, même pas qu'à faire, alors, m'a pas qu'à faire, même qu'à faire effort, on le dit, m'a pas qu'à faire. Nous, pas qu'à faire rien du tout. C'est lui qui fait toute bagarre de nous. Maintenant, pour que l'église de Jésus-Christ, spirituellement, soit en pleine forme, c'est Christ pour tes amis. C'est pas ni étude. C'est pas ni alpha espoir, ni manger. Non.
C'est l'esprit Christ pour porter, c'est plein pour plaire à Christ, c'est pas gagné. Ou pas de connaissance, ou besoin de connaissance de Dieu. L'esprit Christ pour jouer, frère. Ah, l'esprit Christ pour jouer. Pas grand l'autre bagaille encore. Ou surtout en médiocrité, grand bagaille qui va pas la caillou, ou voulez que ça change dans vie. Christ pour jouer. Il n'y a pas d'études théologie, il n'y a pas de formation, il n'y a pas de séminaire, ça n'existe pas. C'est pour cela que je parle des artistes évangéliques. Et je vous demande de publier ce message, de faire passer ce message. Je mets en défi de me prouver que le gospel music est biblique. Que le gospel music a quelque chose à voir avec le fondement des apôtres. Que sur le fondement des apôtres, il y avait des concerts. Il y avait des disciples, femmes ou hommes, qui voyageaient, qui donnaient des concerts. Et qui vendaient des louanges et des adorations. Parce que tous les gens des églises traditionnelles, ce sont des vendeurs, vendeuses évangéliques. Ils vendent quoi? Adoration et louange. Quand vous voyez Daily Benson, vous voyez un vendeur. Vendeur quoi? Adoration et louange. Quand vous voyez Jean-René Charles, le Charémy, où les gens passent, il y en a tellement. Ils vendent quoi? Des louanges et des adorations. Vous vous êtes déjà posé la question? Comment est-il possible que un homme qui s'est dit homme de Dieu, une femme qui s'est dit servante de Dieu, vende les louanges et les adorations? Mais on pouvait vendre tout et n'importe quoi, mais les louanges, les adorations. Non mais, franchement, à chaque fois que j'ai pris le temps de réfléchir là-dessus, je me suis dit, mais ça dépasse mon entendement. La vente des louanges et des adorations. Ah oui, Dani, bagayon pile vrai. Ou imaginons, le Charles, René Charles a fait 50 ans, il a dit 50 ans de ministère. Qui ministère? Marchand de louanges et adoration. Il fait 50 ans la vente louange à adoration. Louange qui pour bon Dieu elle passait tout le temps la vente ça. La fait combattre ça. Moi me déjà dit nous next ça va gagner l'autre tout capon. En enfer tout droit. Depuis next ça au mourir pas repenti. En enfer tout droit. Non vérité. Prouvez bibliquement sur quelle base monsieur ça au cas sauvé. Déjà, il n'a pas baptisé. Viens l'église, c'est dîme, c'est fauché, c'est pantalon maquillage, femme qui a dit je prêche pas dans l'assemblée. En plus, monsieur, il a vendu l'adoration, il a vendu l'ouange. Je dis, nous avons rencontré avec les citoyens que les. Moi, c'est Pasteur Kounia, qui est le Vorgens, monsieur, c'est au Canada lié. Je dis, le Pasteur Vorgens, je suis même étonné, monsieur, c'est Pasteur, comme vous avez tout le monde qui chante, le Pasteur, tout ça qui est chanté, vient Pasteur, sous chaque qui est Pasteur, pas chanté, et débat, oui. Sous tes pasteurs, pas qu'on chante ou vine chanter. Sous tes chanteurs ou pas de pasteurs, vine pasteur. Parce que business ça marche bien, bon l'argent, il fait cob. N'est-ce que fait cob? Oui, n'est-ce que fait cob dans business ça? C'est un bon business, c'est une belle industrie, marchant d'adoration à loin. Là, n'est-ce que vendre adoration à loin, ça marche bien. Alors, alors, vont-ils business ça? En vérité, ça marche, parce qu'à vendre adoration, il marche bien. Il marche bien. Et puis, moi, quand t'as vieux faux pasteur, il y a les Vorgens là. Hein? Il y a les têtes qui vont, moi c'est pasteur, il y a à Saint-Martin, croisade, monsieur, non croisade protestant. Parce que nous toujours à l'évangéliser, portant, portant, dans croisade, dans l'évangéliser, dans croisade. Il y a des gens qui disent, oui, vous pouvez prêcher le monde, portez dans toute synagogue, dans tout coin. Il y en a tout. Quand on a l'air, oui, venez dans croisade, croisade, vous dit, monsieur, me salue, monsieur, d'abord, me salue, me pose, monsieur, que je me dis, comment, ou bien, oui, me dit, mais. Ça c'est ça, oui. Ça c'est adoration, oui. D'ailleurs, c'est comme un cop, il dit, comme là, me dit, mais. Qu'est-ce qu'il doit vendre louange? Ou pas si c'est louange? Qu'est-ce qu'il doit vendre? Mais c'est tellement juré. Mais c'est même peut-être un kidnappé, volé, mal gardé dans l'hôtel, côté de ça, pour mal casser l'hôtel là pour me prendre l'agence de eux. Est-ce que c'est papa qui a un studio à m'aller enregistrer et musique là qui font dit pour me dire est-ce que Christ va enregistrer CD? Est-ce que Christ va faire musique? Vous ne pouvez pas vendre adoration et louange. Ce n'est pas normal. C'est une abomination. Esaïe 41, Dieu dit, je ne donnerai pas ma gloire à un autre ni mon honneur aux idoles. Or, vous voyez, les églises traditionnelles tout entières, ce sont des vendeurs d'adoration, des vendeurs de louanges. Ils ont mis les louanges sur un CD, ils vendent ça. Sur un DVD, ils vendent ça. Concert, payé.
Même des brochures où ils ont mis les cantiques, c'est payant. Des versets sur des bouteilles d'eau, des versets sur des mouchoirs, des versets sur des tasses, des verres, des versets sur des chapeaux, ils vendent. Mais c'est dans quelle Bible? Ils ont écrit des livres. Vous allez me dire, oui, un pasteur a le droit d'écrire un livre et de le vendre. Il peut le vendre, sauf si ce n'est pas un homme de Dieu. Heureusement, les apôtres écrivaient des livres. Heureusement, les disciples écrivaient des livres. Et j'ai vu, les disciples n'avaient pas vendu leurs livres à l'église qu'ils dirigeaient. L'apôtre a dit dans Acte 20, Acte 20, le verset 28. Et le matin, il dit ça. Je me retrouve dans l'esprit moment que l'apôtre a parlé. Et je sentis que l'apôtre a dit ça à l'âme. D'ailleurs, il a pleuré déjà. Tout le peuple a pleuré lorsque il a quitté l'église. Ça. Après, il a fini de passer tout le temps ça pour te enseigner, former. Et il a quitté avec de l'eau pour dire qu'il y a des mots d'ordre. Dans Acte 28, mais qui ça le dit? Je vais commencer dans verset 23 avec vous. Il dit seulement, de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Bambo chef, je dis à pas qu'à dire bagaille ça, parce que pas aucun lien ni persécution capitaine, mais c'est ça, parce que vous tellement à l'aise, vous pas prêcher l'évangile, vous pas nuit personne moun. Et c'est la raison pour laquelle Jésus-Christ avait été persécuté, lapidé, tué. Pourquoi? Parce que les apôtres avaient été tués, lapidés, tués. Pourquoi? Parce que les apôtres prêchaient la parole. Parce que les apôtres annonçaient l'évangile. Parce que les apôtres prêchaient la bonne nouvelle. C'est pour cela qu'Apocalypse 12, 10 dit ils l'ont vécu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Car ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Donc, ce qui fait que ils n'avaient pas peur de mourir parce qu'ils prêchaient la parole. Mais regardez bien, les débauchés qui prêchent l'évangile maintenant, est-ce que ces gens vont être persécutés? Pourquoi? Est-ce que ces gens vont être lapidés? Pourquoi? Est-ce que ces gens vont adorer, réunis dans une maison ou dans un endroit, la porte fermée, comme dans Actes chapitre 4? Pourquoi? Pourquoi ils vont se réunir dans une maison porte fermée? Parce qu'ils ont peur que les gens viennent les attaquer. Qu'est-ce qu'ils prêchent? Ils ne peuvent pas. Parce qu'ils ne prêchent pas le fondement des apôtres. Pourquoi? Parce qu'ils veulent attirer les gens. Vous ne pouvez pas prêcher le fondement des apôtres parce que vous allez faire fuir les gens. Mais nous, nous prêchons le fondement des apôtres parce que nous attirons les élus. Je ne prêche pas pour les non-élus. Je ne prêche pas pour les fils de la perdition. Je ne prêche pas pour les filles de la prédiction. Je prêche pour les élus. Je cherche un élu. Je cherche une élue. Quel que soit le lieu où il ou elle se trouve, je cherche cet élu-là pour le Seigneur. Je ne cherche pas ni views, ni popularité, ni pour être célèbre. Je m'en fous de tout cela. Parce que tout ça ne me sert de rien. Ce qui m'importe, c'est que quelqu'un entende le message et croit. Je n'ai pas besoin qu'un million, 2 millions, 3 millions de personnes. Regarde les vidéos. J'ai besoin d'une personne élue. Tout simplement. Parce qu'un million peut regarder et ces millions-là n'ont même pas respecté, n'ont même pas la crainte de Dieu, n'ont même pas accepté de vivre pour Jésus-Christ. Ils n'ont même pas accepté cela. Donc ça veut dire, pensez bien. Pourquoi est-ce que je vais prêcher pour faire plaisir aux hommes? Pourquoi? Pourquoi je vais le faire? Puisque j'ai reçu un mandat, je n'ai pas reçu ce mandat de la main d'un homme, mais j'ai reçu ce mandat de la main de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, posez-vous la question, pour quelle raison je vais prêcher un message pour faire plaisir aux hommes? Puisque les disciples, eux, ils ont prêché un message, pas pour faire plaisir aux hommes, mais pour faire ce que Dieu avait demandé. Donc, regardez, je vais continuer à lire pour vous. Verset 24. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie. Allez, vous prêchez l'évangile avec la peur. Je me rappelle un jour, j'ai terminé une émission. Je ne pouvais même pas sortir dans la rue parce que j'avais une peur bleue. Parce qu'on m'avait tellement insulté, menacé au cours de l'émission. J'avais peur de sortir dans la rue.
Donc, à ce moment-là, je me suis dit, mais Seigneur, je ne comprends pas pourquoi j'ai peur. Et j'ai fait demi-tour et j'ai adressé une prière au Seigneur. Ensuite, je suis sorti. Donc, ça veut dire, vous prêchez l'évangile, mais vous avez peur qu'on vienne vous attaquer parce que vous êtes exposé. D'ailleurs, nous sommes destinés à la mort. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit. Nous sommes destinés à des tribulations. Nous sommes destinés à être persécutés, maltraités, décapités, lapidés, sciés, torturés. Mais vous prêchez quel message pour que vous puissiez être persécutés, torturés? Quel message? Aucun. On est capable de louer, qui problème pour mon gars? Ouais, on est capable de louer, il n'y a pas de politique, il n'y a pas de bagarre avec personne, il n'y a pas de dire ça va bon, vous n'avez pas de faire des gars avant de céder. Hein? Le même là, qu'on est passé à être diable, il va dire c'est diable pour céder les parents. Qui s'est devenu le bout, même si ça fait Christ, il va faire business, il va venir. Hein? Alors, attention! Oh, frère Jean Dickinson, mort là, pas reprendre, non? Festé infini? Eh, réponds-moi dans mon bon temps là. Est-ce que le festin a fini déjà? Moi, je vais vous dire que c'est en ligne parce que bon service qu'a fait, bon festin. Moi, je vais vous dire que c'est déjà. Eh, ministre de Dieu, ministre de l'évangile, dis-moi non, le festin a fini. Nous déjà fini, tout va bien passé. Bon Dieu, bénis-nous. Seigneur Dieu. Ok, donc, comme moi t'as dit, apôtre l'a dit non, acte 20, le verset 24. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. Et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. La responsabilité des hommes de Dieu, c'est d'annoncer la bonne nouvelle. Les places publiques, maison en maison, porte en porte, les rues, Facebook, toute occasion. Il y a des gens qui me disent, mais pourquoi vous utilisez Facebook? Parce que vous dites que Facebook, c'est un truc de diable. Oui, les réseaux sociaux, c'est un truc de démon. C'est un truc de diable. Oui, c'est le monde de l'iniquité. Le monde de l'iniquité. Tous les gens qui sont tout autour de nous, ce sont des gens qui portent l'esprit du malin, qui n'ont pas l'esprit de Christ. Mais, dès qu'on tient 4, le verset 2 nous dit, le verset nous dit, prêche à toute occasion, favorable ou non, sensible, hein, insiste. Donc, ça dit, toute occasion que nous allons trouver, nous allons prêcher l'évangile. C'est pour cela que la dame m'a dit, la dame qui se nomme Sol Setcher, elle dit, elle écrit, qu'elle ne peut pas te répondre. Et elle vient répondre dans une minute, mais c'est normal. Mon bien pour nous, l'aime bien tant. Parce que quand je passe mon temps à écrire, je prêche, j'évangélise. Je le fais de diverses manières. J'évangélise en écrivant. Tac, tac, tac. J'ai fait des vidéos. J'enseigne. Porte en porte, de maison en maison, place publique. Et des endroits où on nous menace. Une fois, il y avait des jeunes qui... Bon, je vais vous expliquer ça. Je vais vous donner ce témoignage. Je m'appelle une fois, on était dans un arrêt de bus. On évangélisait. Pendant qu'on évangélisait, il y avait des jeunes qu'on prêchait. Et puis, des jeunes qui fument le weed. Et puis... Pendant qu'on évangélisait, je ne sais pas s'il y avait quelque chose que j'avais dit qui n'était qui était pas dans les intérêts. Et puis, je voyais le jeune qui venait vers moi avec ses yeux rouges. Et ils étaient plusieurs pendant que nous évangélisons. Et la façon qu'il venait vers moi, mes bien-aimés, au fond de moi, j'ai senti profondément qu'il avait la volonté sans aucun doute de venir me frapper. Et il était sur le point de venir me frapper. À ce moment, je sentais que j'allais recevoir des coups. J'ai adressé une prière. J'ai dit, Seigneur, je presse ta parole. Ne permets pas à ce que ces jeunes qui filment, qui n'ont même pas leur tête, me frappent. Et quand il arrive, yo, what happened, man? Et puis, il dit, ah, c'est toi, pasteur. Ah, ok. Bon, je ne dis pas que je suis pasteur, mais des fois, on m'appelle comme ça. Ah, c'est toi. Ah, ouais, c'est bien. Ah, ouais, tu prêches la parole. Ah, c'est bien. Franchement, bien-aimé, à ce moment-là, je me sentais tellement bien. Oh, Seigneur, tu m'as répondu. Alléluia. Et il allait me frapper parce que je sentais qu'il était venu même pour me frapper. Parce que ce que je prêchais ne lui faisait pas du bien. Il ne se sentait pas bien dans mon message.
Donc, s'il ne se sentait pas bien, automatiquement, ça va révéler la colère. Comme quand Étienne prêchait dans Acte 7. Pendant qu'il prêchait, il n'insultait pas les gens. Mais le message qu'il prêchait faisait du mal aux gens. Et les gens graissaient des dents. Les gens étaient en colère, étaient furieux contre lui. Et ils se sont bouchés leurs oreilles pour ne pas écouter ce qu'Étienne disait. Et ils se sont jetés sur Étienne. Et l'ont lapidé. Étienne avait fait quoi de mal? Est-ce qu'Étienne les insultait? Est-ce qu'Étienne les frappait? Est-ce qu'Étienne avait pris quelque chose qui leur appartenait? Non. Mais Étienne prêchait tout simplement la parole. Il leur disait la vérité. Les gens qui n'ont pas l'esprit de Dieu n'ont pas le don de l'amour de la vérité. Ils ne peuvent pas aimer la vérité parce qu'ils n'ont pas l'esprit de Christ. Ils n'ont pas l'esprit de la vérité pour aimer la vérité. C'est impossible. Alors, laissez-moi terminer ce que l'apôtre disait ici, là. Dans le verset 25. Et maintenant, acte 20, le verset 25. Et maintenant, voici. Je sais que vous ne verrez plus mon visage. Et quand je lis cette portion de l'écriture, ben le chapitre, cette portion de l'écriture précisément, des larmes. J'ai des larmes qui viennent. Parce que quand je vois l'esprit, comment l'apôtre parlait à l'église, et comment l'église était attristée de son départ, et surtout quand l'apôtre dit que vous ne reverrez plus mon visage. Parce que, et comparez-vous à des hommes d'aujourd'hui qui se disent hommes de Dieu, qui vont étudier la théologie. Non! Comparez-vous! Regardez-les! Pouvez-vous comparer les apôtres aux hommes d'aujourd'hui? Non, vous ne pouvez pas. Il dit, vous tous au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. Il prêchait quoi? Le royaume de Dieu. Mais non, il prêchait le royaume de Dieu au milieu de l'église. Hein? Le royaume de Dieu. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous. Car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien vous cacher. Le verset 28 que je voulais. Prenez donc garde à vous-même d'abord. Parce que l'enseignant, le pasteur, celui qui conduit l'église de Jésus-Christ, il doit prendre garde à lui. Parce qu'il doit être un homme de Dieu. Il doit être spirituel. Il doit porter l'esprit de Christ. Il doit être rempli de l'esprit de Christ. Parce que si vous avez un enseignant, un pasteur qui n'a pas l'esprit de Christ, vous êtes en danger. Parce que, n'oubliez pas, je vous le dis, une église élue a devant elle un homme élu, c'est-à-dire un pasteur, un ministre élu. Une église qui n'est pas élue a devant cette église un fils de la perdition, un charlatan, un escroc, un bandit, un voleur devant cette église. Pourquoi? Parce que cette église est destinée à la perdition. Il faut qu'un agent de la perdition vienne conduire cette église à la perdition. Tout comme l'église qui est élue, destinée à la vie éternelle, il faut un homme qui soit élu pour la vie éternelle, pour conduire cette église à la vie éternelle. Maintenant, si cet homme n'est pas élu, c'est-à-dire si cet homme est destiné à la perdition, cet homme conduira cette église à la perdition. C'est pour cela que Jésus-Christ ne laissera jamais son église entre les mains d'un escroc, d'un fils de la perdition, d'un homme qui n'est pas élu. Jamais. Son église devant un théologien, pas du tout. Son église devant un homme qui va chez les sorciers, hein? Il a pris un esprit démoniaque pour mettre en place une église. Non. Et tous ces gens-là sont là pour les gens qui sont destinés à la perdition. Tout simplement. Mais ne mets jamais ça dans votre esprit. Que Dieu peut mettre devant son église un homme qui n'est pas élu. Alors, il y a un monde qui dit, on va regarder moi, c'est en créole. Moi, je te dis dans un commentaire, en bas un live, il y a un artiste. En bas un live, il y a un artiste. Tout le monde qui fait une musique, qui mettait copyright, qui empêchait l'autre monde d'utiliser yo,
yo même gens aknèg qui fin étudier théologie et puis qui ouvri yon assemblée. Oui, c'est tout à fait ça. Approchons-nous de Dieu. Oui, c'est ça. Et d'ailleurs, comme je disais tout à l'heure, tous les apôtres écrivaient. Les prophètes écrivaient. Ils ont écrit des livres. Est-ce que les apôtres ont vendu leurs livres? L'apôtre Paul a écrit plusieurs épîtres. Est-ce qu'il a vendu ces épîtres-là? Non. Maintenant, d'où est-ce que ces hommes qui se disent pasteurs? Où est-ce qu'ils ont trouvé ça? Posez-vous la question. Soyons sérieux. Votre pasteur là, c'est un vendeur de livres, n'est-ce pas? Il a trouvé ça où? Vous imaginez que Dieu t'a placé devant une église. Dieu t'a inspiré un message. Tu as écrit ce message dans un livre. Et tu vends ce livre à l'église devant laquelle Dieu t'a placé pour nourrir pour la vie éternelle. Donc l'église doit acheter le message que Dieu t'a donné pour elle entre tes mains. Ou imaginons, nègre la pasteur, bon Dieu place devant l'église, li, si c'était le cas. Bon Dieu parle au message, il écrit, mais comme d'ailleurs, il vient passer à Mel, ou bien l'autre, quand il malheur, il t'a dit, comme on vit dans la sanctification. Ah, Dieu, bon, malheur, oui. Après, mon malheur, oui, pour un bon pasteur, un vrai pasteur. Moi, je me dis, c'est faux. On m'a dit, monsieur, tout le monde faux pour lui. Prends Biboua pour voir qu'il est vrai. Prends Biboua pour venir me gazer la fait brief en paquet par l'empile là, c'est ça qui fait le passé. Est-ce qu'on s'en moun pasteur? Ou pas même qu'on doctrine Christ là? Ou pas qu'on skisse à la doctrine de Jésus qui dit? Comment parle c'est ça qui a dit? Sonder les esprits. Pour sonder les esprits, il faut avoir la connaissance de la doctrine de Jésus Christ. Faux! Al garde l'église n'est ça au pouvoir. Yo pas qu'à prêcher bon l'évangile parce que faut que moun dans la démagogie yoa. On m'a prêché, mais ça me dit tout le monde voit ou bien tout le monde conforme, on m'a dit tout le monde n'importe comment. Eh bien, oui. Mais ça, j'ai prêché tout le monde conforme. Eh bien, oui. Mon ça, c'est mon café logo, café bruit, café qui me fait tabernacle, bagaille, grandi pour que plus de monde, pour remplir, pour faire parler de yo. Et puis, là, il y a une sorte de popularité qui a attaqué les politiciens. Parce que oublié que la Bible dit que c'est pour prier pour autorité, c'est pas attaquer, pour attaquer l'autorité. Vous voyez, c'est qui bon? Expliquez-moi. Gouna la livlé dit l'église comme pour l'église sanctifier. Alors me salue monsieur Marcela Wilfried Massena et me salue monsieur Wilfried Massena et me salue madame Dito. Me salue nous en pile hein. Et son série go chabrak moun gros moun hein de Castivi et lorsque l'émission 100% évangélique t'a passé sur télévision Saint-Martin et bien monsieur Marcela c'est un monde qui travaille en pile. Dans l'émission, ça, et ça qui est un bon titre pour nous saluer, et puis le respect, ils ont cheveux blancs qu'il y a. Double respect parce que les cheveux blancs. Respect parce qu'on a pile travail. Double respect parce qu'on a cheveux blancs. Ah, monsieur Massena. Eh? Bon Dieu, bénou. Nous comptons pour nous dire avec nous. Bon Dieu, bénou. Pile respect pour vous. Que bon Dieu, bénou. Et nous, merci pour tout le travail que tu fais. Et nous, très reconnaissants, nous ne pouvons pas oublier ça. Bon Dieu, bénou. Donc, l'écrit livre là. Qui ça livre l'a dit? Comment c'était comment vivre dans la sanctification? On parle comme ça? Bon, comment un vrai pasteur? Dieu dit, imaginez que Dieu te met le secret comment pour l'église à marcher dans la sanctification. Son merveille, son miracle. Dieu bon message pour me dire comment l'église a marché, son gloire. Je vais prendre le temps pour me chita, pour me bien soigner enseignement. Et puis pour me transmettre l'église avec joie et puis belle adoration. Ok? Quand on a oublié de faire ça, mal écrit au livre. Dans le livre, il m'expliquait comment pour mon avis de la sanctification, on a oublié que je transmette le bail l'église à gratuit, je me vends $20. Et puis, il me dit, tête même, son vrai homme de Dieu. Dans qui Bible, vous avez vu ça où? Hein? Vous avez vu ça où? Franchement, mais attends, en sérieux, apôtre Paul écrit plusieurs épîtres. Il écrit plusieurs épîtres.
dim na ki l'église Paul te vend des pizza yo. Et donc conseil des pizza gros bagay Paul a dit et on peut Pierre dans un Pierre quand je crois un Pierre deux Pierre trois là Pierre explique ça. Il dit que des paroles Paul a dit qui loue en pile moun pa ka comprendre yo yo tant d'essentiel. Il dit notre bien-aimé frère Paul, il parlait d'une série de bagages qui loue en pile. Moun yo pa ka comprendre ça la di a yo ton d'essentiel pour yo ka péri. Est-ce que vous comprenez? Donc ça veut dire Paul écrit gros cause ça yo qu'on a salvé la livre en église là. Alors d'accord avec Mallory qui vend yon livre pour qu'on comment qu'on marche dans la sanctification, pour qu'on comment marche dans la sanctification pour marcher ton livre dans mes Mallory. Et vous dites, vrai pasteur. Et bien, ça, comme a dit, je suis seulement pour dire, pas vrai pasteur, non? Pas du tout. Mais pas ça, c'est juste un banal. Je prends pas comme je ne comment nous. Je ne prends pas tout banal. Regardez qui ça dit. Il dit, dans 2 Pierre, le chapitre 3, le verset 15-16. Croyez que la passage de notre Seigneur est votre salut. Comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. Parce qu'il n'y a pas de monde qui est plus haut, qui est plus grand, qui est personne. Nous, chaque, nous portons l'Esprit Christ. Nous devons nous différencier avec l'autre munition. Nous travaillons ensemble pour Christ dans le même champ. C'est que nous une planté, l'autre l'a osé. Puis, c'est Christ qui fait le pousser. Ça veut dire, vous sentez un gros nègre, vous sentez un gros nègre de Christ pour porter. Vous avez découvert qu'on l'a dit, c'est gros pasteur. Gros créton, il y a des pour pas porter l'Esprit Christ. Sous le j'aime mouté, ou j'aime mouté, ou l'Esprit Christ. Vous n'avez pas l'Esprit Christ, vous n'avez rien du tout. Vous avez échoué. Tout simplement. Il dit, c'est ce qu'il a fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres écritures, pour leur propre ruine. Est-ce que Paul avait vendu ses épîtres à l'église? Les églises de la Macédoine, les églises de Jérusalem, les églises d'Éphèse, de Corinthe, les églises de Rome, de Galatie, de Pergame, peu importe. Est-ce que Paul avait vendu ses épîtres à ces églises-là? Est-ce que les prophètes avaient vendu leurs livres au peuple? Mais vous, pasteurs traditionnels, vous avez trouvé ça où? Dans quelle Bible? Dans quelle Bible? Dans quelle Bible? Ou pas, j'aime d'accord avec moi. Moi, je ne vais pas publier un message. Moi, je ne vais pas publier. Nous, elle est pourtant publiée. Je ne vais pas publier, pas publier. D'ailleurs, je vais me prêcher pour celle de monde. On est l'une besoin. Si Dieu veut ajouter plus qu'on est élu, pas de problème. Mais je cherche juste un élu ou inélu. Je ne prêche pas pour que je sois regardé par des millions de personnes, que j'ai des millions de likes. Non, ça ne m'intéresse pas. Je prêche la parole de Dieu pour réveiller, appeler, rappeler hein, les élus. Tout simplement. Tout simplement. Donc, arrêtez de dire que je cherche des views ou je veux faire buzz, je veux faire hit. Alors, bon, j'aime bien faire hit, ça me t'apprécie comme message. Ou bon, j'aime bien faire hit, je veux dénoncer mon cap chanter en bagage, en confrérie qui mondiale. Je veux dénoncer gospel. Pour me dire gospel là pas gagner pour Dieu, ça pas gagner pour l'évangile. Toutes les joueurs dans gospel music, gospel music, artiste évangélique, chanteur, chante tout peu importe, toutes ces bambouches pas gagner qui ca sauver, pas gagner qui capable faire bon Dieu, machin d'adoration, machin louange yo. Là où on fout et puis na fourmilier ça pour me dénoncer qui m'attaquer monde là oui. Et tout monde là m'attaquer oui. Tout monde évangélique traditionnel là oui. Tout le monde traditionnel là. Quand on est d'accord, tout ça, nous, on va répondre comment vous voulez que vous voulez publier le message, comment vous voulez publier. Pour le là-dedans, il a dénoncé mon cap chanté. Parce que c'est dans le MSA. Là, il a déchanté mon cap qui est dans théologie. Il a dénoncé femme qui a dit j'ai prêché, femme pasteur. Comment vous voulez être d'accord, mais c'est vrai. Elle dit non, mais c'est comme ça. Qui ça veut dire là-dedans? Groupe Petit Samuel, Deborah Madoche, Gogoral, Gotoy. Nous faisons tort. 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 Nous faisons
Il m'a rien parlé, il a présenté tout le monde au temple, il m'a rien parlé, il m'a rien parlé, il m'a rien parlé dans la piscine, dans la baignoire, où on appelle des tractopelles, et puis mon avocat vient à Marin, il y a Marin, il vient à un paquet de petits verres, il brise la scène là-bas, un paquet de petits mots chauds, et puis ça met un paquet de petits verres, on vient à la scène, ah, mais le tabac, mais c'est un paquet de petits verres, il y a plein mouches à voler, ah, Dieu, mais nous, quand je joue à la fille du monde, pour ça, ah, nous, quand je joue à la fille du monde, la fille du monde, Marraine, marraine, oui, écoutez, je suis catholique, vous faites, vous connaissez, mais catholique, maman, vous êtes catholique là. Oui, mais c'est pas protestant, c'est pas catholique. Réunis le dimanche matin, madame, qui boit ça? Sous faute, mais le dimanche matin, à côté de vous, qui boit ça? Hein? Ou pas à qui l'a été réuni? Ou pas jamais l'a dit tout pour à qui l'a été réuni? Est-ce que c'est chaque dimanche? Ou pas qu'on est, c'est pas chaque dimanche que vous réuni? Ou pas jamais l'a pour chaque qui l'a été réuni? Chaque qui joue et qui ça a été fait? C'est ce que nous faisons. Hein? La dîme qu'on a fait mon père, la dîme. Est-ce que tu as apporté ta demande de la dîme? Dans qui verset? Est-ce que des gens qui ont disciples te payer dîme? Qui bon? Hein? C'est ce que nous faisons. Hein? Pour des gens qui ont pas de petit bannier, pas de petit drapeau, qui ont classe de beau, à l'école du dimanche, hein? Qu'on a Robert Rex. Qu'on a l'autre la vie, n'a Robert Rex, ça parle de Robert Rex. Comme Robert Rex, c'est dans mon église. C'est un gros pain. Robert, gros païen. Robert, pas même converti. Quand c'est Robert qui fait ti. Et puis tout, c'est juste un nègre. C'est comme si nous avions un citoyen qui nous zone. Et puis, il constate un seul petit monde qui dans la rue, le dimanche, qui l'a gué. Qui l'a gué, quoi, dans le couillot, quoi, dans la métaphore. Et puis, il décide de regrouper tout le monde pour le faire coup avec eux. Mais il voulait apprendre pour ne pas devenir des hommes, pour ne pas devenir vacabon, parce que c'est ça qu'il voulait éviter. Quand on a dit, il dit, qui ça va l'utiliser pour être capable d'instruire tout le monde? Et puis il dit, ah, c'est catéchisme pour le faire avec eux. Quand on a dit, il est catholique. Catéchisme. Et dans le catéchisme pour eux, et pour dire, mais non, ça. C'est dans le catéchisme pour protester faire école du dimanche. Al prêter dans mes catholiques romaines. Les catholiques romaines prêtent 10 livres. Bonne santé. Al prêter dans mes catholiques romaines. Bonne fête. Quand on a le catéchisme, quand on a pour le faire leçon avec Timonio. Mais Robert, ça a gagné pour le bon Dieu. Non, il n'y a pas même convaincu. Il a dit tout. Non, il n'y a pas qu'on a pour. C'est Robert, ça, gros païen, rouge, qui quitte gros patrimoine pour protestants, pour l'église traditionnelle. Qu'on a des bruits venant qui se portent sur les dimanches. Mais non, 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 Jésus-Christ a notre blanc, non, 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 non. Prouvez dans qui Bible, la Bible mandé pour yon séparer Timounio à Gamounio ou bien séparer la jeunesse avec Gamounio. Qui va? Troisième, la Bible tire koutouache, mais prends Bibou à démenti ma vie et puis m'a d'accord pour prendre tout koutouache la tire yon. Nan qui Bibou elle? Classe la jeunesse là, qui va? Classe petits enfants, qui va? Ministère des femmes, qui va? Ministère des enfants, quand elle existe? Ministère de la jeunesse, qui va lié? Oh, la parole de Dieu claire. Paul même dit à Timothée, dès ton enfance, tu connais des sept lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Dès ton enfance. Somme 78 dit pour apprendre Timothée tout petit. La loi, mon Dieu, pour qu'on comment mon Dieu, et mon Dieu, pas dans l'enfance. Quand on a petit, on a mis le bon côté de l'autre bon, on a la voix après, on a mis avec un vieux dame qui tout lesbienne et puis tout profite de droite, on a un vieux homme qui tout pédophile, tout profite de la rétigation après la toilette. On prend quel bagage que ça passe, oui? Ah oui! Ou à quoi on est, attendez? Des gens qui tout profite d'initié, Timounio! À un diable, pendant un vieux bagage classe. Petits enfants classe, je ne sais quoi, yoa. L'église a réuni. Chaque parent mette timoun nous bakoto. Tout petit nous bakoto pour tant de messages. Oui, Dieu qui a Jéricho, ni détruit ni timoun, ni ma femme, ma sœur, ni tout ça, détruit tout. Oui. C'est ça la parole de Dieu dit. Ah
nous serviteurs, mais petit monde ça pas attendre message ça. Dans qui bible qui dit? Dieu dit pour me dire ou même pour dire pour me dire tout monde ça. Comment vous faire connaître bon Dieu dans pour parler l'agricole dans saleté? Hein? Comment pour faire hein qu'embe tête pour parler l'agricole dans saleté? Ah petit moi, Dieu engagé quoi dit tout hier plus que j'ai encore pas respecté mon Dieu, pas respecté Dieu, pas le Israël passé. Eh bien Dieu dit, nous va écraser. Notre nan qui passe dans pays Amalek yo, tout y écraser, briser tout y ni fait. Petit moi, dès qu'on pas respecté mon Dieu, ça mon Dieu pas bon. Et vinn dim pa gen droit mon dit ça. Et puis bam texte qui base. Timothée depuis tout petit, enfance, ça dit enfant, depuis l'enfant, n'a pas de bon dose. Il y a obligé un bon homme de Dieu, il va sortir un bon bouchet. On va dire que nous avons dit. Bien bon, il va quitter l'église parce qu'il va enseigner, il va arriver à rien. C'est ça qui est bon pour un bon mari, un bon madame qui peut mettre tête à voir pour instruire mon Dieu. Tu as un bon bouchet qui n'est pas converti. Ou un vieux mari qui n'est pas élu. Ou un vieux madame qui n'est pas élu. On met connaître du faux pas de tête ou on met connaître tête chargée de mon Dieu ou pas sortir bien. C'est bon Dieu, c'est le bon Dieu pour t'en faire grâce. Ah, ouais, bon mari qui n'est pas élu. Ouais mon madame qui pas elle eh on travaille eh on travaille et quand il te promet pour le mari là tête ou tout le monde ou pour tout le monde ou comprendre mon avec mon qui pas elle ou avec une femme qui pas elle ni à la négocier ou mais avancer il même pas la faire le va passer une heure dans prière il même bon ça tire de là il va prier il pense Jésus il va prier il diable là pas Dieu tu as chargé ou tu as oui pas faire mettre Christ sous attendez. Pas ça, il y a des églises. Vous savez, vous avez sorti pour conduire, vous avez mené là pour conduire, vous avez tapé dans là, vous comprenez? Alors, vous avez des adversaires, vous avez des adversaires, alors vous plaignez, vous avez des adversaires, 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 vous avez des niveaux de prière, tu vois, le niveau de la prière augmente. Tu commences à prier, tu fais une temps, tu pries. Tu pries, il est temps et demi. Hein? C'est la prière, ça monte, tu pries, 2 heures, 3 heures. Et quand tu vas arriver à 3 heures de temps de prière, tu vas être léger, léger, léger. C'est comme si tu étais en extase. Tu pries, tu pries, tu pries, tu changes de bord, tu te mets debout, tu marches, tu t'allonges, tu t'assois, tu te mets sous ton ventre, tu pries, et l'extension monte, la puissance monte. Tu penses que l'ennemi va être content? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Ok? Donc, c'est clair. C'est très, très, très clair. Donc, c'est la raison pour laquelle, bien-aimé, quand même, Libibo, si span tant dans monde qui parle en pile ou pas j'aime prendre bibou pour garder ça la pièce si c'est vérité m'pa dit nous prend ça m'a dit m'pa j'aime pas pas prêcher zombie et m'dou dit là toute l'église m'pa prêcher zombie m'a prêcher monde qui gagne l'esprit Christ examiné pour ça me dit est-ce que sa bible a dit vrai si c'est pas sa bible a dit jetez-le mais si c'est sa bible a dit ou pas prendre malheur avant ah malheur avant malheur avant. C'est très important. C'est très important. Ok? Donc, on va prier, on va changer de niveau, on va avancer spirituellement, on va passer des heures. Parce que dis-moi ça, ouvrez bien aimé. Dernièrement, m'a réfléchi. Moi, dit, imaginons, pour pas quand même faire une temps à parler avec le Seigneur, tu vas dire qu'il est compliqué pour l'église, oui? Passer une temps dans la prière. Nous mettons écrit là, dim. Passer une temps dans la prière, c'est la chose la plus dure pour un soi-disant chrétien disciple de Jésus-Christ. Si c'est faux, dites-moi c'est faux. Vous pouvez passer toute une nuit sur TikTok, Facebook, YouTube ou peu importe, ou avec une amie en train de blaguer, de ricaner, rigoler, blaguer, plaisanter. Mais passer une temps dans la prière, parlant avec Dieu, conversant avec Dieu dans des niveaux spirituels où vous prenez des comment dire
vous ressentez la présence de Dieu et que des paroles tombent sur vos lèvres, vous priez, vous priez, vous priez, vous n'arriverez pas. C'est la chose la plus dure. Pour vous, c'est comme si c'était, c'est comme si on vous avait demandé de faire un très grand sacrifice. Si je mens, après que vous ayez écouté ce live-là, allez chez vous, êtes chez vous, prenez vos genoux et commencez à prier. 5 minutes. Même pas 5 minutes, 2 minutes, vous allez être fatigué. Ah, et vous allez commencer à dire n'importe quoi dans la prière. Vous allez dire, ah, marinade, patate, regardez, pas de garder, oui, Timoné, regardez, de monsieur, regardez, beaucoup, regardez, beaucoup, regardez, maman, non, regardez, pas, regardez, ça le fait, regardez, petit chaud, regardez, pas un paquet de démagogie. Pendant ce temps, moi-même, franchement, moi-même, bien-aimé, moi-même, premier, en premier, je trouvais ça inacceptable. C'est injuste envers Dieu. Injuste. Comment nous pas arriver pour nous passer même une temps avec Dieu? Et d'ailleurs, minimum de temps que nous t'as supposé faire avec Dieu, c'est une temps nous t'as de faire pour prier. Et d'ailleurs, nous t'as supposé consacrer, on me dit à toute l'église, nous t'as supposé consacrer une heure de prière concentrée à 100% à Dieu. Pour nous parler avec Dieu. C'est, la prière, c'est communiquer avec Dieu. Parler avec Dieu. Bah, il est temps de dire ça, c'est il est temps par Seigneur. Ma chita, ou bien me prends genou, puis pas de façon, me sentir mal à l'aise là, pour me parler avec Seigneur. Seigneur, tu as été pour moi un refuge. De génération en génération. Avant que les montagnes fissent nées, et que tu aies créé la terre et le monde. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais entrer les hommes dans la poussière. Seigneur, je ne t'ai pas donné ce que tu mérites. Seigneur, je t'ai négligé. Seigneur, j'ai honte de moi-même. Seigneur, je n'ai pas mené une vie de disciple. La parole me demande de prier sans cesse, de méditer la parole sans cesse, de donner des sacrifices de louange sans cesse. Seigneur, je n'ai pas fait ces choses. Je passe mon temps sur TikTok, Facebook, YouTube. Mais je n'ai pas de temps pour toi, Seigneur. Je me sens mal et j'ai honte. Honte de m'appeler serviteur ou servante. Père, je te demande de me permettre à ce que je puisse établir un programme avec toi afin qu'on puisse communiquer, parler ensemble et que tu puisses vraiment prendre le contrôle de ma vie. Parce que j'en ai besoin et je souffre. J'ai soif de ta présence. J'ai besoin de toi. Mais viens diriger ma vie. Je vais m'éloigner du péché afin de te permettre de rentrer dans ma vie. Parce que comme dit le texte de Timothée 2, 19, néanmoins le solide fondement de Dieu reste debout avec ces paroles qui lui servent de sceau. Hein, de sceau. Deux paroles. Première parole, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Deuxième parole, quiconque prononce le nom du Seigneur qu'il se voit de l'iniquité. Mais vous ne trouvez pas ça honteux? Vous ne pouvez pas passer même une heure, minimum une heure avec le Seigneur? Pendant ce temps, une heure, c'est pas beaucoup, hein? Quand vous travaillez, vous allez en pause pour une heure. Vous voyez que la pause passe vite. Et vous vous dites, mais une heure de temps, c'est pas beaucoup, mais comment ça, ça termine trop vite? Oui, ça termine trop vite, mais une heure de temps, mais ce n'est pas possible, c'est déjà fini la pause. Cette petite heure-là, vous n'arrivez même pas à accorder au Seigneur une heure de ton temps. Pendant ce temps, si vous prenez un téléphone, vous appelez une amie ou un ami, vous allez passer 2 heures à parler sans même voir quand l'heure est passée. D'où vient ce problème? Pourquoi nous sommes ainsi? Qu'est-ce qui fait que nous soyons paresseux, décourageants à prier, passer des heures? Et je vous dis, minimum, une temps, pas 7 minutes. Oh Seigneur, vous savez toutes choses. Ah Seigneur, tu sais toutes les choses. Ah Seigneur, compte tout bagarre. Non, ça ce n'est pas la prière. Une minute de prière, non. Bien-aimé,
prenez le temps de prier le Seigneur. Montre-lui qu'il est important pour vous. Montre-lui que le moment entre lui et vous, c'est un moment spécial, un moment excellent, un moment grandiose. Et priez le Seigneur. Et faites l'expérience. Après le live, allez sur vos genoux. Et agenouillez-vous, cherchez la présence de Dieu. Si vous ne trouvez pas de parole, explique au Seigneur quelque chose qui vous est arrivé. Explique au Seigneur les péchés que vous avez commis. Explique-lui tout. Fais comme si vous parliez au téléphone à quelqu'un. Vous pouvez même prendre un téléphone. Vous prenez un téléphone. Vous prenez un téléphone, vous dites, Seigneur, allô Père, au nom de Jésus-Christ, je viens vers toi. Parce que peut-être si vous prenez un téléphone, vous allez passer plus de temps. Même quand vous parlez au Seigneur, Seigneur, je viens vers toi, Seigneur. Seigneur, je te présente ma vie. Seigneur, j'ai péché contre toi. Seigneur, telle chose m'est arrivée. Seigneur, j'aimerais que tu changes ma vie. Seigneur, j'aimerais que tu m'accordes une double portion. Ou autrement, chronométrez votre téléphone in temps. Et vous commencez à prier. Autant que ça ne sonne pas, ne vous arrêtez pas. Ne dormez pas. Si vous sentez que vous avez sommeil, vous voulez, le sommeil veut vous emporter, ah ben, ce que vous devez faire, c'est que mettez-vous debout et commencez à tourner, à marcher, parler. Mais vous devez faire une heure de temps à communiquer avec Dieu. Vous vous imaginez que vous avez un copain, une copine, vous avez une épouse, un mari. Vous pouvez passer une heure à parler avec lui ou bien vous passez une heure à insulter des gens. Vous pouvez passer une heure à faire des scandales, à insulter. Une heure de temps passé, vous n'êtes pas fatigué à dire des gros mots, à insulter les gens. Mais vous êtes fatigué. Une minute de prière, Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Ah, je suis fatigué. Oh là là. Vous devez commencer à prier. Même mettre les prières. Ma prière, oui. Ma prière. Oh Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Oui, Seigneur, Dieu merci. Des fois, elle prie. Elle prie. Elle prie. Des fois, elle cause par les paroles tête en bas. Nad Marie. Elle prie. Elle prie. Elle prie. Là, il retourne à prier encore. Ah, Jésus, oui, il a prié, alléluia. Gloire, non, pas qu'on dorme, il m'a prié toujours. D'aller. Oh, regardez ça, nous faisons bon Dieu. Mais qui mal, mon Dieu, fait nous? Oh, il y a un monde qui n'a pas qu'à prier, mon Dieu. Il y a un monde malade, gagné, oui. Il y a un monde qui n'a pas qu'à passer des heures avec Dieu dans la prière. Il est malade. Sommes-nous malades? Vous ne pouvez pas passer des heures dans la prière, vous êtes malade. Parce que quelqu'un qui est en bonne santé spirituelle peut passer des heures dans la prière sans être fatigué. Mais si vous n'arrivez même pas à faire une heure de temps de prière, même pas 30 minutes de prière, c'est que vous avez un problème. Vous avez un problème. Et comme ça, vous allez vous préparer pour l'enlèvement. Comme ça, vous attendez l'enlèvement. C'est pas normal. Et comme les gens disent, ah, moi j'aime le Seigneur. Ah oui, moi j'aime le Seigneur, moi. J'aime le Seigneur. Ah bon? Heureusement, le Seigneur a dit comment quelqu'un qui l'aime, comment il est. Ah, moi j'aime le Seigneur. Ah, le Seigneur a dit, si vous me gardez mes commandements. Ah, moi je connais le Seigneur. Ah, le Seigneur, la parole du Seigneur a dit, quelqu'un qui dit que je connais le Seigneur, qui ne garde pas ses commandements, est un menteur et la vérité n'est pas en lui. Vous connaissez le Seigneur? Gardez ses commandements et c'est ce qui va prouver que vous connaissez vraiment le Seigneur. Vous aimez le Seigneur? Gardez ses commandements, c'est ce qui va prouver que vous aimez le Seigneur vraiment. Vous ne gardez pas ses commandements, vous ne l'aimez pas. Vous ne gardez pas ses commandements, vous ne le connaissez pas.
Donc, en un mot, si vous n'avez pas l'Esprit de Christ, vous avez échoué. Vous avez échoué si vous n'avez pas l'Esprit de Christ. L'échec, ce n'est pas le fait de ne pas avoir réussi dans la vie. Vous avez des voitures, des maisons. Tout ça, ce sont des démagogies, des choses pernicieuses. Ce que vous avez besoin, c'est de porter l'Esprit de Dieu. C'est d'être rempli du Saint-Esprit. Si vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous avez réussi. Mais si vous n'avez pas l'Esprit de Christ, vous avez échoué. Vous avez entendu parler de Steve Jobs, le fondateur d'Apple, sur son lit de l'hôpital? Il avait beaucoup d'argent, n'est-ce pas? Mais ça lui servait à quoi? Rien du tout, que c'était la norme de gagner le monde, il perd son âme. Alors si vous voulez être fier, remplissez vos vies avec l'Esprit de Christ. Voulez qu'on voit que vous êtes une servante de Dieu, un homme authentique, un homme puissant, un homme extraordinaire. Soyez rempli du Saint-Esprit. Voulez donner un exemple, un modèle pour montrer que vous êtes un combattant, quelqu'un expérimenté qui marche avec le Seigneur. Oh, le Seigneur, c'est mon Dieu. Oh, le Seigneur, j'aime le Seigneur. Soyez rempli du Saint-Esprit. Vous voulez être prêt pour l'enlèvement, vous voulez faire partie de l'église glorieuse, puis sans tâche, soyez rempli du Saint-Esprit. Je disais tout à l'heure, nous allons terminer. Quel est le problème qui fait que vous n'avez pas passé même une heure de temps de prière? À chaque fois que vous commencez, vous dormez. Ou vous commencez à parler d'autre chose. Vous êtes en train de divaguer. Au lieu de prier, vous oubliez ce que vous disiez. C'est parce qu'il y a trois choses que vous devez faire que vous n'avez pas fait. Josué 1:8, 1 Thessaloniciens 5:17, Hébreux 13:15. Méditez jour et nuit le livre de la loi. Quand le texte dit méditez jour et nuit le livre de la loi, cela veut dire sans cesse. Quand le texte dit priez sans cesse, cela veut dire priez jour et nuit. Quand le texte dit de donner des sacrifices de louange à Dieu sans cesse, ça veut dire jour et nuit. Si vous ne faites pas ces trois choses, c'est normal que vous n'arrivez pas à prier. C'est normal que vous ne pouvez pas faire une heure de temps de prière minimum. C'est normal. Mais le jour où vous arrivez à méditer sans cesse, prier sans cesse, adorer sans cesse, vous passerez des heures et des heures dans la prière. Et je vous dis, si vous voulez faire l'expérience, quand vous allez atteindre 3 heures de temps de prière, vous deviendrez léger comme si vous étiez en extase. Et à ce moment, vous allez recevoir des révélations. Quand je dis des révélations, ce n'est pas comme si vous allez dormir ou avoir des sons. Dieu va vous ouvrir les yeux sur beaucoup de choses. Dieu va vous expliquer c'est quoi la sanctification. Dieu m'a montré la sanctification. Dieu m'a montré la vie de quelqu'un qui est saint. Comment est cette vie? Et j'ai compris. Et c'est pour cela que j'avais fait l'enseignement sur ce qu'on appelle l'homme animal et l'homme spirituel. Expliquer à l'église pour que l'église puisse arriver à différencier les deux hommes. Pour que vous puissiez comprendre lorsque vous êtes à l'état de l'homme animal ou lorsque vous êtes à l'état de l'homme spirituel. Parce que l'homme animal, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'homme spirituel, c'est l'arbre de la vie. Donc, il faut que vous arriviez à comprendre cela. Et c'est pour cela que j'avais pris le temps de vous expliquer, d'être bien détaillé. Alors, pas à vous qui êtes sur les ondes, mais je parle aux bien-aimés. Parce que nous avons une rencontre en Zoom, donc c'est sur cette rencontre qu'on fait ça. Donc, je vous encourage à chercher la présence de Dieu. Et n'oubliez pas, nous allons terminer, n'oubliez pas, tous les pasteurs théologiens, ce sont des faux pasteurs.
Aucun pasteur théologien ne peut baptiser quelqu'un. Aucun pasteur théologien n'est appelé. Aucun pasteur théologien n'a le don du Saint-Esprit. N'oubliez pas ça. Aucun artiste évangélique, que ce soit chanteuse, chanteur, n'adore Dieu. Tous ces gens adorent Satan. Et le gospel music, ou bien la musique évangélique, ça n'a rien à voir avec la Bible, cela n'a rien à voir avec les apôtres. Les disciples ne chantaient pas sur les places publiques, faisaient des concerts, des CD, vendaient des louanges. Non. Tous ces vendeurs d'adoration, ces vendeurs de louanges, iront sans escale en enfer. Je vais répéter. Tous les vendeurs d'adoration et de louanges, tous les vendeurs d'adoration et de louanges, les vendeuses d'adoration et de louanges, iront tout droit en enfer parce qu'ils vendent les louanges de Dieu. Parce qu'elles vendent les louanges de Dieu. Toutes les églises ayant été déclarées sur le nom d'un pasteur, d'un homme, on appelle ça église, mais c'est une entreprise. Pourquoi? Parce que c'est déclaré dans l'État. Parce que ça n'existe pas. Ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique. Donc, vous déclarez l'église dans l'État, au ministère des cultes, ou peu importe, au ministère des affaires étrangères, ou la préfecture, je ne sais pas, dans quel endroit que vous avez déclaré ça à l'État. Ce n'est plus une église, c'est une entreprise. Et cette église n'appartient plus à Dieu, à Jésus-Christ, ça appartient à un homme. C'est pour ça que c'est inscrit sur le nom d'un homme. Parce que Jésus-Christ dit, je bâtirai mon église. Donc l'église est au nom de Jésus-Christ. Et c'est pour cela qu'on n'a pas besoin de l'ordre ou d'autorisation de aucun homme, puisque Jésus-Christ lui-même nous a donné l'autorisation. Donc ces églises ne sont pas églises de Jésus-Christ. Ces gens ne sont pas baptisés. Et toutes les personnes qui sont en face de moi là, si vous êtes baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je vous dis, ou je vous révèle pour ceux qui ne le savaient pas, vous n'êtes pas baptisés. Ou autrement dit, vous n'êtes pas encore baptisés. Mais avant de me lapider parce que je vous ai dit que vous n'êtes pas encore baptisés, demandez-moi pourquoi. Et je vous poserai cette question. Avez-vous vu, à travers la Bible, un disciple qui était baptisé au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit dans votre Bible? Si vous avez trouvé ça, vous êtes baptisé. Mais si vous ne trouvez pas ça, vous n'êtes pas baptisé. Maintenant, si vous voulez approfondir, comprendre et être enseigné pour bien comprendre par vous-même avec votre Bible, lisez de vos yeux sans qu'on ne vous dise pas quelque chose que vous ne regardez même pas, vous croyez? Non, que vous croyez parce que vous avez vu. Nous serons disponibles pour vous. Pour vous expliquer le baptême, vous expliquer Matthieu 28, 19, et vous expliquer pourquoi vous n'êtes pas baptisé. Deux questions pour vous. La première question. Si vous avez-vous trouvé quelqu'un qui est baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit dans votre Bible? Sinon, vous n'êtes pas baptisé. Si vous n'avez pas, vous n'êtes pas baptisé. Deuxième question. Quel est le nom du Saint-Esprit? Si vous connaissez quel est le nom du Saint-Esprit, alors peut-être que vous êtes baptisé. Soyez bénis, je vous aime. Je vous aime, mais très fort. Merci à toutes les personnes qui ont pris le temps de regarder, d'écouter, de laisser des commentaires, de liker ou... Bon, on dit quand on like, c'est qu'on partage la vidéo, ça fait qu'on partage. C'est pas pour de l'argent parce que et les comptes de l'émission ou les comptes de ce ministère ne sont pas monétisés. Que ce soit Facebook, YouTube, TikTok ou peu importe, ces comptes ne sont pas monétisés parce que l'évangile n'est pas un moyen pour faire de l'argent, mais c'est un moyen pour sauver des âmes. Donc, ce n'est pas monétisé. Si vous commentez ou vous likez, ce n'est pas pour nous enrichir parce que nous ne monétisons pas nos comptes. Parce que c'est la mission de l'évangile et c'est gratuit. Donc, soyez bénis. Salutations à Denise Ménis. Sois béni, Denise. Et au nom de Jésus-Christ. Et nous saluons tout l'autre monde qui t'a regardé nous. Bon Dieu bénis nous. Bonne soirée, bonne fin d'après-midi à tout le monde. Et c'était bien de vous avoir avec nous. Alors nous vous donnons rendez-vous demain, plaise à Dieu. Et
pour un autre moment pareil. Je vous aime et je suis condamné à vous aimer. Jean 13, 34, 35. Bonne soirée. Bon courage à tout le monde. Bon courage. Moi, maintenant, pile. À demain, si Dieu veut. Bye.